ce soir 20h. Carte blanche avec Jimmy Pierrot. L'émission où tout peut exploser. C'est le rendez-vous le soir, hein, comme d'habitude entre 20h et 22h, le rendez-vous de la carte blanche du lundi au jeudi sur l'antenne de RCI. On reçoit des personnalités, en tous les cas ceux qui font la Guadeloupe. Il est électrotechnicien de formation et chef d'entreprise. Il est également cofondateur et porte-parole depuis plus de 11 ans du collectif de Défense Mobile, un mouvement syndical qui aide les particuliers au niveau du foncier, de l'habitat ou de la justice. Il a également un parcours politique. Il a été candidat à l'élection législative de la 3e circonscription. La Boucan, c'est son terrain de jeu. Il est à Sainte-Rose chez lui, c'est son fief. L'homme de terrain, il est connu de tous pour sa détermination, son engagement de tous les instants. Hubert Kiaba, notre invité ce soir, fait sa carte blanche entre 20h et 22h. Ici, pas de censure, juste la vérité brute et sans filtre. Avec de nombreuses thématiques, on parlera de ses origines, tes parents, ses frères et sœurs, sa jeunesse, son métier ou ses métiers, j'ai envie de dire, et les chefs d'entreprise. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous exceptionnel du soir entre 20h et 22h, il y a quatre temps forts de sa vie, des dates importantes. On parlera aussi de ce qu'il sait faire, ses amis. Vous aussi, auditeurs d'RCI, vous pouvez réagir via la ligne WhatsApp, comme d'habitude, au 0690 11 11 10. Réagir, poser des questions et puis laisser les petits messages. La dernière fois que tu as, ça c'est les questions peut-être pièges, mais Hubert Kiaba saura faire les quatre thèmes d'actualité. Le tour cycliste de la Guadeloupe, tes rapports avec les gendarmes, il est très souvent là-bas, avec le chef d'édilité de Sainte-Rose, les élections municipales qui se pointent en 2026. La Guadeloupe de demain, comment il voit sa Guadeloupe, Hubert Kiaba, a-t-il réussi sa vie, les échecs, pourquoi, comment, émission bâtie sur 2 heures avec notre invité Hubert Kiaba. Carte blanche entre 20h et 22h sur RCI. Hubert Kiaba, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Émission en Facebook Live, hein, comme d'habitude, on pourra te voir. Les gens peuvent également réagir, comme d'habitude, au 0690 11 11 10 via la ligne WhatsApp. Qui est Hubert Kiaba ? Tu as déjà tout dit, Jimmy. Hein. Donc, j'ai dit l'essentiel. Tu as dit l'essentiel. Jeune, modeste, qui est Saint-Rosien. C'est vrai qu'en mes tendres enfances, je les ai passés au Lamantin. Beaucoup ne le savent pas. Donc tu es avant tout lamantinois ou Saint-Rosien ? Non, avant tout Saint-Rosien, parce que j'étais très jeune. Très jeune. Vraiment à la naissance au Lamantin. Et après, très rapidement, mes parents se sont dirigés vers la Boucan à Saint-Rose. Et depuis, je n'arrive plus à sortir de cette petite section et je m'y plais énormément. Tu te sens bien à Sainte-Rose ou tu te sens bien à la Boucan ? Bien à la Boucan dans un premier temps et aussi à Sainte-Rose et plus généralement en Guadeloupe. Mais quelque part, je pense que je suis un fervent, je suis vraiment un amoureux de la Guadeloupe. J'ai du mal véritablement lorsque je suis quelque part d'autre de me sentir aussi à l'aise. Donc quelque part, j'ai envie de dire que tu aimes la Guadeloupe. J'aime la Guadeloupe. Tu aimes la Guadeloupe. C'est quoi aimer la Guadeloupe, Hubert Kiaba ? Aimer la Guadeloupe, c'est déjà dans un premier temps s'aimer soi-même, parce que lorsqu'on est bien implanté, lorsqu'on est bien là, on arrive bien entendu à aimer les autres, à aimer les endroits où on doit aller, à savoir qu'il y a au niveau de l'environnement, et c'est surtout aussi être là, ne pas simplement rester là à regarder, à observer, mais d'être un vrai acteur, parce que lorsqu'on aime, on protège, on prend soin et par conséquent, j'estime que à travers mon engagement, à travers ce que je fais, à travers effectivement tous les sacrifices que je fais, je peux dire que je suis un amoureux de la Guadeloupe. On dit de toi que tu es un homme de terrain, c'est connu de tous, avec énormément de détermination, l'engagement de tous les instants. Est-ce que c'est vrai ça ? On le veuille ou non, c'est ça. C'est le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on est engagé, lorsqu'on ne peut pas rester sans rien dire, lorsqu'on voit des injustices, lorsqu'on voit les gens qui font, on ne peut pas ne pas parler. Je suis resté, j'ai mis trop longtemps sans rien dire, parce qu'on était en grande timide quelque part, on était tout jeune, et j'ai subi beaucoup de choses aussi. Peut-être que qui ressortent maintenant, j'ai jamais eu l'occasion véritablement peut-être de le dire, mais j'ai subi un peu ma vie jeune. Quelles étaient les raisons, Hubert Kiaba ? Pourquoi tu as subi ta vie ?
J'ai subi parce que l'eau ou gêne, tu vis parce que tes parents te demandent de faire ci, de faire ça, donc tu y vas, mais j'étais quelqu'un qui prenait des initiatives, mais timidement, mais qui allait. Est-ce qu'on peut dire que tu étais introverti? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. J'arrivais quand même à sortir de cette tête-là qui est là à certains moments, peut-être pas tout le temps, mais lorsque je dis que je subis, parce que je suis quand même quelqu'un de... J'aime respecter les gens, respecte les grands, respecte bien les parents. J'ai été dans les associations, j'ai quand même eu la chance d'avoir des gens qui ont quand même poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, j'ai des piliers, des poteaux mi-temps quelque part, qui je respecte énormément sur la boucle en Sainte-Rose, et que j'ai la chance que ces gens-là m'ont quand même permis d'être ce que je suis. Et même avec les petites injustices qu'on vivait, avec les difficultés qu'on rencontrait, eh ben, ils avaient comme mission de me guider, et quelque part, ça m'a fait du bien. Quelque part, est-ce que j'ai envie de te dire quelque chose? Est-ce que tu prends une revanche sur la vie aujourd'hui, Hubert Kiaba? Non, pas de revanche. Surtout, je le dis souvent, on ne doit pas être animé par un quelconque sentiment de tu n'es pas revanchard. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, ça n'empêche pas de dire que je suis un guerrier quelque part, mais j'aime aller au combat. Qu'est-ce qui t'anime à aller au combat? Quand tu dis souvent tu vas au combat, tu vas au front, tu vas à la bagarre, tu aimes ça, tu aimes le fight, tu aimes ça, Hubert Kiaba, c'est quoi exactement? Aller au bout. Ouais. J'aime véritablement sortir de tout ce que je peux faire. J'aime aller véritablement, d'autant surtout lorsque je sais que j'ai raison. Je sais que je peux arriver. Je sais que on peut se donner les moyens. Donc, ça m'attire quelque part. Ça te conforte en voyant les autres personnes venir te voir en disant Hubert, on est avec toi. Hubert, on va t'accompagner. C'est quoi? Ça te galvanise? On me dit pas ça souvent. On me dit pas ça souvent parce que le Guadeloupe est un peu modeste, et en Guadeloupe on ne dit pas assez souvent. Je le disais hier dans une réunion. On ne dit pas assez souvent ni je t'aime, mais on ne dit pas que assez c'est bon. On ne dit pas qu'Hubert nous caille. Félicitations. On ne dit pas souvent. Moi, je ne l'attends pas. Je ne l'attends pas. Je le disais hier soir parce que lorsque moi je fais, je m'engage. Je prends énormément de plaisir lorsque à la fin je sais que j'ai réussi. Donc si véritablement on fait quelque chose pour attendre cette félicitation, on risque d'être vraiment déçu. C'est pour ça que je n'attends pas. Mais n'empêche que lorsque je vois quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui est content, ne serait-ce qu'une petite fraction de seconde, eh ben ça me fait du bien. Tu n'attends absolument rien en retour. Non, mais celui qui donne, Hubert Kiaba, celui qui donne, il attend au moins quelque chose. Il attend au moins un regard, un soutien, un coup de main en disant Hubert, merci. Est-ce que tu attends ça des gens quand tu défends les gens? On va revenir dans un instant sur les origines, sur ce qui t'a bâti, parce que bon, tu as été bâti. Il y a quelque chose qui fait que il y a un supplément d'âme que tu as, Hubert Kiaba. On ne peut pas attendre. Lorsqu'on sort d'une famille où on a été élevé avec sa maman seulement, père, j'ai eu l'occasion de le voir deux fois. Première fois parce que je pense que c'est l'année de ma naissance, il est parti en France hexagonale. Et donc, j'ai été élevé avec pratiquement ma maman. Donc, la deuxième fois que je l'ai vu, c'était dans un cercueil parce qu'on l'a ramené des années après ici. Et c'est pour ça que je dis que ma mère, c'est une grande dame quand même qui a assuré pour ses enfants, qui a assuré pour son mari quand même, qu'il a laissé peut-être en pleine période où moi je venais effectivement d'être sur terre. Et à la mort, elle était là. Et lorsqu'on accompagne cette dame-là dans les champs de canne, aller attacher 417 paquets de canne qui a été caillemarée les matins, à 4h du matin, pour véritablement permettre à ce que Timon aille vivre, en cas de comme ça, qu'au pipa qu'à attendre mon bitin, elle est ouvrée, et véritablement, au bail, au mon bitin. Parce qu'elle est ouvrée, c'est mon assassin, c'est sorti, marie 417 paquets de canne. Très souvent, il faut y aller tout manger, dans des fêtes, ou alors repasser Bamoun. Et lorsque tu vis ça, tu sais ce que c'est la misère. Et lorsque tu as vécu avec tes frères et sœurs dans des petites maisons que tu as créées, les petites maisons, les petites cases à quatre pièces, on vivait dans ça, quelque part, ou côtoyer vraiment casser la misère. On peut pas qu'à attendre, et on peut pas véritablement qu'à mander monde, les ouvrir, ou qu'à tirer monde dans une situation difficile. Et je pense que c'est ce qui fait mon leitmotiv, parce que, je suis dans ça,
j'ai vécu dans cela et que par conséquent, ce sourire que je peux voir ou lorsque je le vois sur le visage de quelqu'un, au plus profond de moi, ça fait du bien. Tu es animé d'une certaine forme de détermination de tous les instants. Détermination et envie et plaisir aussi et l'amour de soi. Je dis que malheureusement, on ne trouve pas les gens qui s'engagent politiquement, les piliers, les modèles. On ne voit pas cette réaction. On attend. On n'a pas les réactions que nous aurons dû avoir. Mais très souvent, je le dis que lorsqu'on est un leader, lorsqu'on a des responsabilités, on a demandé des responsabilités, on doit aimer les gens. Et si on n'aime pas les gens, on ne peut pas véritablement être un leader. Et je dis que trop souvent, nos politiques, je ne dis même pas qu'ils ont des difficultés pour aimer les gens. À certaines fois, je dis qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Et lorsqu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les gens non plus. Donc, voilà. Qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors, quand j'ai discuté un petit peu avec les uns et les autres, tu es très fort du côté de Sainte-Rose et singulièrement à Laboucan. Mais au-delà de Laboucan, Sainte-Rose, ton terrain de jeu, tu le disais il y a un instant, Hubert Kiaba, tu aimes la Guadeloupe, tu aimes ton pays, la Guadeloupe. Dans la deuxième partie, je vais te poser la question, pourquoi tu as décidé de vivre ici en Guadeloupe? Pourquoi tu as décidé de faire ta vie ici en Guadeloupe et tu vas, à travers des réponses, nous donner ton engagement de tous les instants. Tes origines, tu le disais il y a un instant, Lamantin, Sainte-Rose, ça a commencé en quelle année? Tu as commencé à vivre à Sainte-Rose, tu avais quel âge, Hubert Kiaba? À Sainte-Rose, j'avais pratiquement en 1970, j'avais 4 ans. C'est pour cela que je dis que très jeune, j'ai été à Sainte-Rose. J'ai fait simplement la maternelle à Castel. À Castel, à Lamantin. Et très, très, très vite, je suis venu à Laboucan. Donc, j'ai connu, en fin de compte, années 70, où on avait multitude d'associations de type nouveau. C'était un petit peu la révolution. C'était le gong. C'était, je pense, le sacrifice en 73, il me semble, ou 75, de Chérubin Céleste. C'est un homme que je ne sais pas, que j'ai eu à fréquenter, à côtoyer, parce que il était aumônier, il me semble, au mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et j'ai eu effectivement à le côtoyer, et je pense que cet homme-là a compté énormément dans ma vie, de voir comment il se donnait aussi. Je me rappelle la grève qu'il a fait, eh bien, pour les ouvriers agricoles, parce que il estimait qu'on ne donnait pas assez d'argent à ceux et celles qui passaient leur vie, et qui suaient sang et sueur, eh bien, pour véritablement faire vivre l'usine de l'autre. Donc, il s'est engagé dans une grève de la faim, et j'ai eu la chance, lors des combats que nous avons menés en 1990-2000, de voir cet homme-là encore là, à côté, véritablement, c'était quelque chose, quoi. Ton père est de quelle région en Guadeloupe? Il est de, c'est quelqu'un qui vient de Pointe-Noire. Et Pointe-Noire, ta mère? Du Lamantin. De Lamantin. Ouais. Frères et sœurs? Pratiquement, nous sommes à deux ici, les autres décidés de prendre en volaillot. En volaillot, et que, comme tu as dit, on va t'abattre là. Voilà. Très bien. Comment s'est passée ta jeunesse, Hubert Kiaba? Gentil, trop gentil. Quand tu dis gentil, ça veut dire quoi exactement? Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui nous font le plaisir de nous suivre sur le Facebook Live de RCI, si d'aventure aussi vous voulez nous laisser des messages sur la ligne WhatsApp, messages ou encore questions à Hubert Kiaba, vous pouvez y aller en deuxième partie, on lira vos messages. Quand tu dis trop gentil, c'est quoi, Hubert? Trop gentil parce que Patika arrivé en Patika pour des fumi tout jeune, et bon, c'est quoi, c'est l'éducation de tes parents, c'est quoi exactement? C'est l'éducation, mais j'ai toujours été quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Je me rappelle quelque chose qui m'a marqué. Je pense en CE2, et on était très bon parce que on était calé énormément, on était calé chercher tout le journal, moi t'es lié. Vous savez, on était calé juste lié, en passant, c'était en tant que ça, on tenait un journal, l'harmonie du couple, dans les années, on était calé chercher ces bitains-là, ça. On était calé tout ça, il n'y a pas sans barbier, moi, à qui nous en blâ, tintin, tout ça. Toutes ces bitains-là. Et on était si good bon, on était bon école, on était jusqu'à très tard d'ailleurs, on vient bon l'école, et un bitain qui m'a marqué, moi, j'y mis, c'est là, on sentait qu'on était bon en CE2. Et les ouvrés, l'année scolaire finie, ou quand ils rentraient, c'était la rentrée qu'ils avaient, ou quand ils disaient, bon, mais aligné devant l'école là-haut, et
obtenu enseignant, par exemple, pour passer en CM1. Donc, enseignant à CM1 là, Gavin, et il qu'a cherché les autres et qu'a fait les autres passer en CM1. Alors, en Gavin, en cas là, en certain que, on sait pas où il est meilleur, c'est moi qui a aidé d'autres Simon encore, donc là. Et en cas vrai que, enseignant à CM2, Gavin, et Gavin, cherchez nous, en cas de groupe. Il est passé, et monsieur, directeur de Gavin, il a crié, bon, monsieur un tel, et il a cherché un Simon qui parmi les piquants, mais comme c'était Simon en professeur, eh bien, il a fait jambé CM1, passé en CM2, et nous avons rentré. Alors, on peut dire, en passé un très mauvais CM1, en pas j'ai arrivé à comprendre ça. Mais j'ai mis en vivre ça intérieurement, moi, peut-être que c'est parmi les premiers mondes qui ont regardé ça au niveau de la presse. Ou pas j'ai dit ça, ou pas j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Pour quelle raison, Hubert? Parce qu'en même temps, à dire, est-ce que c'est normal pour quelque part, ou c'est Simona, ou madame qui travaille, qui bon, pour ces villas ça qui a préparé à. Donc, quelque part, tu te prépares quelque part à vivre cette injustice-là. Et j'ai beaucoup cogité et je me suis enfermé, j'étais là. Et c'est vrai que c'est très tardivement que j'ai commencé véritablement à parler aux autres. Quelle était la relation que tu avais avec ta mère? Est-ce que tu avais une relation fusionnelle? Est-ce que tu échangeais avec elle? Par exemple, quand tu avais ce genre de frustration, est-ce que tu lui disais, voilà, j'ai entendu, j'ai vu quelque chose et je me sens pas très bien dans cette situation? Non, pas du tout. Pas de discussion, pas d'échange. Il y avait l'échange, mais je la comprends quelque part. Il était papa, il était maman. Il était café tout. Donc, il était café tout et il était carré. Et donc, faut être joué, voilà, papa là, parce que ça t'irait. Et elle parle, elle vous laisse des choses à faire. Si vous ne les faites pas, eh ben c'est envolé, pas ni ça. Ah, il était comme en bain. Ah oui, c'était comme un coup, là, ça n'a pas fait nous peut-être très mal, mais. Ça permet nous effectivement d'être sanouillés jour de là, mais elle n'avait pas le temps à cela et peut-être que moi j'essaie de ne pas faire pareil avec mes enfants, mais on n'avait pas les merci, on n'avait pas les congratulations lorsqu'on avait quelque chose. Est-ce que tu disais des fois je t'aime? Ah non pas du tout. Les parents à cette époque-là ne disaient pas ça. Je t'aime. J'étais certes très proche parce que lorsqu'elle se réveillait le matin pour aller très souvent dans les champs de canne attachés effectivement de la canne, j'essayais de me réveiller même avant elle à 3h du matin pour lui préparer le café, et lorsque avant même qu'elle se réveille, je lui mettais le café. On avait cette proximité, on avait cette complicité, mais on était à 5 et elle n'avait pas eu l'éducation de remettre ça à ses enfants pour venir vous caresser, vous dire des choses comme tu dis. Est-ce que ça t'a manqué, Hubert? Honnêtement, on se dit les choses. Honnêtement, oui. Ça t'a manqué, cette chaleur humaine? Honnêtement, oui, parce que si maintenant je le donne à mes enfants comme je peux, honnêtement, ça aurait pu peut-être faire de moi un autre homme. Un autre homme, oui. Ouais. Franchement. Ceci dit, je ne regrette rien du tout. J'estime que j'ai pu quand même, je ne dirais pas réussir dans la vie, mais être celui que je suis, et pas à plaindre. Mais j'ai raté peut-être des choses parce que il y a certes cela, parce que comme je disais, cela qui s'est passé à l'école, quelqu'un d'autre aurait pu venir dire ça à ses parents, dire on ne peut pas comprendre comment Simon a moyen parmi les meilleurs et quoi fait ça. Et c'est pour ça que maintenant, je dis que, je dis ça aux gens, les ouvriers, au piqué, au faut crier. Ça fait à la politique des fois nettoyer casar, avant que, nettoyer devant pour avant nettoyer casar, en radio assez, quoi. Ça fait à tout le temps, la politique de série dans les centres fesses, arrêter ça véritablement aussi. On y a à dire ou qu'a dit. Et moi, j'essaie d'inculquer mes enfants à cela, comme ça. On a quelque chose à dire, on le dit, arrêter effectivement d'accepter l'inacceptable, et je pense que c'est à travers peut-être tout ce qu'on a vécu, à travers cette enfance-là, qui permet véritablement des gens qui disent que je suis dur, peut-être politiquement aussi, il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais qui avouent toujours, là, à la télé, mais monsieur Figa, monsieur Marie, monsieur... Monsieur trop raide. Monsieur trop raide. Et pourtant, lorsqu'on me connaît bien, c'est vraiment, tu sais, quoi, c'est quelqu'un qui qui a créé ça en bandit, en gentil bandit, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui t'a manqué durant ta jeunesse, Hubert Kiaba? Il m'a manqué un peu de justice, du moins à ma jeunesse, la justice quand même. Parce qu'on on vivait au quotidien des choses qui pesaient sur votre vie.
Je prends un autre exemple. Jeune, depuis 11 ans, j'ai fréquenté le club de football du SCA. Jimmy en était bon. Babitin, t'es bon au football, ma mère ne l'aimait pas. De toute façon, il dit en ça, il dit, moi, en tout cas, je jouais au boule bien. Ma mère ne l'aimait pas, et j'ai vécu des choses, mais très fortes, très difficiles. Hein. La première fois que j'ai acheté des chaussures de football avec l'argent à bouteille que j'essayais de rassembler et d'avoir, la première fois que j'ai acheté des chaussures de football, comme je n'avais pas fait ce que ma mère demandait et que j'allais sur le terrain jouer au foot, mais j'étais bon. Eh bien, un jour, la matière est rentrée, il dit moi comme ça que bon, attends, ou pas, aller chercher manger la pain là, c'est football, ou quoi, il jouait. Elle a pris les chaussures de football, elle est partie, il dit moi, quand j'étais sans rivière là. Alors pour moi, c'était le ciel qui t'a tombé sur la tête. Mais moi, en tout cas, dis moi comme ça, quelque part, il trouvait mes moyens, et puis j'ai jeté ça. Alors Jimmy, je suis resté pratiquement une année à aller partout dans les. En fin de compte, au bord de la rivière, dans les broussailles, à dis moi. Il s'est resté en côté, puis pas jeté. Et c'est au bout de peut-être un an, deux ans après, on dit, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, quelqu'un m'a dit, j'ai eu quelque chose qui me dit, mais attends, mais il vient au pire, j'ai grandi, même si on trouvait les souliers là, il peut servir encore. Et que j'ai cessé de chercher ces chaussures que je n'ai jamais trouvées. Tu n'as jamais retrouvé les chaussures? Jamais retrouvé les chaussures. Elle donc, avait jeté elle ou avait, quoi? Elle avait vraiment jeté. Parce que je me battais, cadet, je jouais avec les seniors. Donc, quelque part, et ces dirigeants-là, je les vois, et ils disaient nous aimer, et on était persuadé que ces gens-là nous aimaient. Et c'est pour ça que lorsque je les vois à la politique aujourd'hui, je les vois dans la municipalité. Par exemple, Henri Acco, il était là, il est encore là. Moi, je pense que c'est des gens qui disent qu'ils aiment les jeunes, mais qui n'aiment pas les jeunes. Tu penses qu'ils n'aiment pas les jeunes? Non, on va penser qu'il aime lui-même. Je sais pas que On se parle, on se dit les choses. Je le vois, je lui parle, mais, Est-ce que tu as eu l'occasion de lui dire? De changer de position, de changer, d'être différent. Jimmy, est-ce que tu discutes avec lui? Pourtant. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec lui, Hubert? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et qu'est-ce qu'il te dit? Le gars est dans son petit truc, hein. Le gars était un des gars les plus puissants de Sainte-Rose et de la Guadeloupe en étant, président de la CAF, président de la Sécurité sociale. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est pas vous que ce gars-là, à partir qui a bac, vous avez écouté, quoi. Jusqu'au dernier moment, moi, je prends et je fais des choses, hein. Je fais des choses. Est-ce qu'il a eu l'occasion de te dire un jour pour les nombreuses choses que tu as réalisées? Par contre, il m'a accompagné dans les discussions parce que c'était pour la présidence encore Losbar, qui était président de la communauté. Et c'est là qu'on a pas aimé ces messieurs parce qu'en cas de dire, ok, yo, trop cupide, yo, sont des agoulous, yo, voulaient tout bitin. Donc, et encore président du conseil départemental. Et après quelques, même un an après, la députation Kavine. Nous, quoi, dit qu'au niveau de Sainte-Rose, on n'a jamais eu un député à Sainte-Rose. Donc, on avait commencé à discuter avec Henri Acco pour lui dire qu'à la députation, c'est un seul monde et il faut que nous gardions qui Monique aille. Mais lui, entre-temps, il devient le premier adjoint d'Adrien. On dit tant mieux. Tout le monde reconnaît, c'est grâce à Hubert, c'est Bitin, donc voilà. Maintenant, on va à la députation. En rester, mandé missier, courir des missier, courir des missier, courir des missier. Moi, je dis, consacré, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une personne qui Monica, c'est vous ou c'est moi? Mais comme c'est beau que, populairement, qu'il n'est pas trop passé, alors finalement, il dit, moi, il n'est pas caille parce qu'il y a une responsabilité de premier adjoint et qu'en caille. Et comme le gars m'avait dit, il a donné sa parole. La parole de l'homme vaut l'homme. Que si son Saint-Rosien pour il a, qu'il paye, il soutient pas d'autres mondes encore, parce qu'il n'y a l'âge, et que voilà. Alors moi, j'attendais, je lui dis que je vais, maintenant tu viens avec moi. Élection législative Kavine, Bougla Koury, d'ailleurs, faire d'illusie. Parce que, l'Osba a demandé ça. On bouge que moi, tu sais, jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce moment-là, je me suis dit que tous ces moments que j'ai passés avec Henri Acco à l'USR, et tous ces moments qu'il m'a vu grandir, qu'il sait ce que je pouvais faire. J'étais trois fois plus fort, je ne me vante pas, qu'Angloma, qu'on m'a dit après qu'il jouait avec nous. On m'a dit après. Donc, j'étais trois fois plus fort que lui. Et Henri est témoin de ça. Donc, il m'a. Est-ce que Henri Acco, demain, peut témoigner que tu étais dix fois meilleur que Jocelyn Angloma? Bien sûr. Il va le faire. Il va le faire. Oui. Sûr.
il va le faire, mais on va pas attendre moins qu'il fait. Depuis, ils vont sentir me dire que, ils vont sentir me dire ça, parce que moi, pas attendre moins qu'il fait, il va s'empirer. Tu sais, il y a des gens qui, là, il m'a déçu. Ouais. Parce que, un grand indépendantiste nationaliste qui nous dit que Hubert, voilà. Je me rappelle jamais, jamais je vais oublier. Un jour, on va à Mornalo jouer justement une finale avec l'équipe de Mornalo. Il y avait des arbitres, il n'y avait pas un arbitre officiel. L'arbitre siffle un penalty pour nous. Henri Yacoudino, Zora prend un penalty, là, Zora mettait Idéo. Il était notre entraîneur. Un penalty qu'on doit marquer sur l'équipe. Un penalty, c'est un but. C'est un but. Il dit, non, Zora prend. Donc, c'est quelqu'un qui avait en verticalité, qui était rectiligne. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Le match va se terminer, on va faire un nul. Ils ont nous penalty là, ils ont pas habité parce que c'est Monsieur Kababi est trop. Et donc comme ils ont contesté penalty là, ils ont pas mis des roues. Et ils ont si ils ont pas mis des roues, ils ont pas tiré à pied à Sainte-Rose. On l'a mis dehors. C'était entraîné en nous. Donc quelque part, ça a fait que j'ai ce gars-là comme un exemple. Le gars est nationaliste, le gars il aime la Guadeloupe. Pour moi, hein. D'après moi, c'est nationaliste, il aime la Guadeloupe. Et c'est petit à présent qu'on a découvert que c'est lui qui était pire à la Guadeloupe. Parce que certains qui ont fait du bien, mais qui pas trop aimé quand même la Guadeloupe. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion de le lui dire en face, de lui dire, Henri, est-ce que tu aimes la Guadeloupe? Alors, est-ce que véritablement tu aimes la Guadeloupe? Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de le lui dire? J'ai pas eu l'occasion véritablement parce que depuis l'élection législative là où après, le gars m'avait donné sa parole. On va dans un truc et que là, il n'est pas question personne d'autre que nous, parce que le père de Ferdi Luizier avait déjà été député. Il y avait Mathias Zin qui était député. En fin de compte, on n'avait que sur Sainte-Rose qu'il n'y avait pas un député et que voir le gars partir là, ça a cassé quelque chose chez moi. Est-ce que vous avez discuté? Est-ce que un jour? Après, j'ai presque pas voulu discuter avec lui jusqu'à maintenant. Mais et je le dis. Tu es un homme de dialogue. Non, mais ça n'empêche pas que je vais discuter. Si c'est faux que je lui dise. Mais non, on ne s'est pas retrouvé parce que. À aucun moment tu prends ton téléphone, tu lui dis, il faut que je t'appelle, il faut qu'on discute. Pourquoi tu m'as fait ça? Oui, pourquoi tu m'as fait ça? M'est arrivé. Pourquoi tu as été comme ça? Tu sais, Jimmy, j'ai pas voulu au maire Adrien Baron par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'en cas de ça qu'elle lit, il vient trouver en commune en difficulté. Et bien entendu, je connais comment nos politiques fonctionnent. C'est bail coco pour savon. Donc par conséquent, lui, il avait sa tête dans le guidon là et qu'il faut y aller. Mais par contre, j'attendais un petit geste de Henri Yacou pour dire comme ça que voilà. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'aime personne. Et c'est pour ça que lorsque je vois... Tu as la certitude qu'il n'aime personne. C'est pas même monde. Parce que lorsque tu vois l'USR, comment l'USR effectivement a évolué dans les grands trucs, premier en division donnée, les saisons après, eh ben il n'y a pas occupé des pommons, il n'y a pas pris des Brésiliens, il n'y a pas fouillé dans la case, il n'y a pas occupé des Setibouga, il n'y a fait Setibouga sortir là, et tout le temps Setibouga qui a brillé, qui a habité, mais saison là, habité, après ça n'a pas ni pommons. Donc quelque part, on ne peut pas aimer les gens et faire ça. On ne peut pas effectivement aimer, respecter. Tu as quelqu'un avec qui tu as vu grandir. Il voit grandir, Henri Yacou. Non, et par conséquent, maintenant que je prends la dimension, eh bien, que tu viens me dire ça, eh bien, excusez-moi, ça veut dire que ou pas aimer monde, quelque part. Donc, c'est pour cette raison-là que je dis que rares sont les gens qui ont montré et qui ont été l'homme qu'ils ont toujours été et qui ont resté vertical. Et moi, véritablement, je suis quelque part... Tu es déçu. Oui. Amer. Et c'est peut-être pour cette raison-là que des fois, j'ai cette rigidité-là lorsqu'on négocie, lorsqu'on parle, parce que je sais que, je crois qu'on est en paquet de Tibourg. Et lorsque je vois les petits jeunes, là, comment comprendre que, on voit les petits jeunes là, on a l'USR, et qu'on n'arrive pas à sortir un petit jeune? Pourquoi? Mais très souvent, et Jimmy, ça m'est arrivé d'avoir des jeunes. Mais est-ce que tu discutes où avec le maire? Mais de toute façon, dans la deuxième partie, on va en parler. On va en parler dans la deuxième partie, Hubert Kiaba. On est dans la première partie de ce rendez-vous carte blanche avec notre invité Hubert Kiaba. Vous êtes nombreux déjà à nous avoir laissé vos messages via la ligne WhatsApp au 0690 11 11 10. Vos questions et messages à Hubert Kiaba. On va les lire dans la deuxième partie. Carte blanche de Jimmy Pierrot avec des invités prêts à tout pour dire ce qu'ils pensent haut et fort sur RCI. RCI. Vous
Vous êtes une association dynamique en Guadeloupe? Vous organisez des événements culturels, sportifs ou artistiques passionnants? Ou sont artisans, un jeune entrepreneur ou une possibilité de communiquer sur RCI? Ne manquez pas l'opportunité de faire connaître vos activités au plus grand nombre. RCI lance son tout nouvel agenda mettant en avant toutes les pépites de la région. Si vous voulez entrer en agenda RCI, ou voulez y parler d'eux, ou quoi crier tout de suite au 05 90 83 96 96, ou bien quoi vous y en mail à secrétariat 971@rcigroup.fr. GROUP.fr. Patrick, et bon. On est dans la première partie de ce rendez-vous exceptionnel du soir, entre 20h et 22h, carte blanche. Ce soir, Hubert Kiaba fait sa carte blanche sur RC. Vous pouvez également nous suivre via les réseaux sociaux, sur Facebook, on est en Facebook Live. Et puis, vos commentaires, réactions également au 0690 11 11 10. Hubert, il y a énormément de messages concernant ta réaction face à ce que tu dénonçais il y a un instant, et dans la deuxième partie on va lire tous ces messages. On parlait de Sainte-Rose, on a beaucoup évoqué ton fief, Sainte-Rose, et singulièrement à La Boucan. On n'a pas parlé un petit peu de ton cursus scolaire. Une fois que tu étais basé à Sainte-Rose, tu es resté à Sainte-Rose, et après comment ça s'est décliné pour toi? C'est là, Jimmy, c'est que je fais un cursus scolaire à La Boucan, ensuite je vais à Bébel, et c'est vrai que au panique, en tout cas dire, au cas issu d'une famille à Saint-Simon, donc jamais ta mère ne t'accompagne ou alors dans les réunions de parents d'élèves, donc t'es assez quand même autonome, t'es assez responsable, donc au cas prend Kaola, au cas il école. Ça t'a aussi manqué, ça? Oui, quelque part. Mais je vais te dire tout à l'heure ce qui est encore un peu dur, c'est que vous croyez un sixième, un cinquième, quoi passer. Et après Jimmy, Yoka dit comme ça, parce que en ce temps-là, que Yoka orienté, il veut pas voyer en quatrième encore. Parce que et pourtant Jimmy était un super crack en mathématiques. En tenant un professeur Yoka qui est fraîché, là où vous êtes un problème mathématique, il a bamoué, mais il a préparé un autre. T'es très fort en mathématiques. Et donc, là, on sortit en cinquième. Comme, ou pas ni, en suivi parental d'ailleurs, c'est pour décider que y'a quoi voyez moi au Lamantin, en peinture vitrerie, en CAP. Peinture vitrerie. Sans qu'on m'en dit rien, hein. Et c'est pour ça que des fois, que, on m'en dit, mais attends, tu vis ces choses-là. Et en rayon peinture vitrerie, il y avait, monsieur, Tcherskowski avait tenu Osier La Fontaine, nous en peinture vitrerie. En fait, on l'en a en peinture vitrerie. Et là, enfin, on en est là. Mais on était tellement bon en maths et en sciences, en physique, que c'est pourquoi tu m'attends, mais pourquoi on t'a envoyé là?
Mais le problème, c'est que tu n'as aucun parent qui te booste, qui demande, qui pose des questions. Pourquoi ou là? Non, ce gars-là ne peut pas poursuivre. Et en yam ici, Osier Lafontaine, qui était professeur principal en moins, il dit non. Faut envoyer mission de notre côté. Alors qu'il a déjà fait, on l'a en peinture outrerie. Il dit moi non, reprend. Et c'est là, vous voyez moi fait en électrotechnique lamentin. Et bien, monsieur Blondin, qui a rencontré l'autre jour. Blondin. On a rencontré l'autre jour, et Kevin, professeur à moi, qui a fait première année, deuxième année, enfin, troisième année, et après, diplôme BEP, CAP en moi, là. Et, après ça, en bab, pour aller continuer à trouver place, parce que au besoin aille plus loin, mais pas ni place. Et pas ni pour moun, qui aille pousser la porte, bah, ou, parce que, bien entendu, Mathéo pas là, la Mathéo lit, t'es taillé en guidon là, parce qu'il faut y aller chercher, il faut y mettre. Donc, résultat, eh ben, on va venir trouver, eh ben, ou pas continuer, et on est, ou arrêter CAP, BEP, ou arrêter à niveau 5, et il faut au travail. Donc, c'est comme ça qu'on vient sur le monde, effectivement, du travail, donc, à partir tôt, de ça. Très tôt, le monde du travail. Dans le monde du travail. Après ça, ça qui est grave, dans ça, c'est que jour de là, un Kevin, après, il y a les événements de la Boucan, après, un président des associations, les gens voient quand même que quelqu'un footballistiquement un capitaine. Et il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a poussé véritablement à m'intéresser dans le travail que je fais sur le plan juridique. Parce que, il vient commencer qu'à parler de ça, quoi crier et les trucs, la validation d'acquis. Et, en cas vrai, en association, nous a fait tout travail pour l'insertion. Et il a commencé à venir parler en 2ASS, le diplôme d'état d'assistante de service social. C'est qu'à permettre vous de devenir assistante sociale. Alors, en 15 mois, j'ai mis que ça a intéressé moi en Kaï. Donc, l'ARS, c'était la DSDS, ou moins, il me semble, Kaï fait commander au défense diplôme. À dans le diplôme, ça, on y a trois livrés. Livré 1, il a commandé au quoi j'ai fait. Donc, il faut demander tout ça où j'ai fait parce que c'est validation d'acquis. Deuxième bitin, il a venu faire livrer là ça, ou quoi il vient faire un rapport. Et troisième bitin, là, on a passé devant un jury. Là, on fait premier là, parce qu'on a déjà commencé un peu à dans le mouvement, hein, quand il va répondre, quand il vient comme ça, et que voilà. Mais il y a déjà un petit témoin. Et là, au vrai, ça arrivait, eh ben, en aïe à dans le butin là, il y a gardé, en 7 ans qu'on a baillé, on le diplôme, on dossier, qu'on y a au moins plus, presque 10 années, qu'on a 5 ou 6 années, qu'on a fait travail là, que ça a commandé là, financier là. Eh ben, il y a quoi, voyons papier, maman, non, monsieur qui a bas, ou pas, ça pas fait assez longtemps qu'il y a fait ça, donc nous pas prendre ou dans ça. J'ai mis, après ça, encore une fois, déçu, mais en même temps, t'es qu'à attendre moi à ça. Et j'ai décidé, quand il fait un recours, parce que, quand il est là, il y a quoi marqué qu'on peut faire un recours. On fait un recours. Et quand tu fais un recours, tu vas au tribunal administratif et que tu vas contre le préfet. Parce que le préfet, c'est qui en chef. Donc, recours, on est passé. J'envoie mon recours au tribunal administratif. Et, ça va, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui a passé. J'envoie mes conclusions. Le préfet m'envoie ses conclusions. On dit, ah, y'a eu bitin moi. Et, un jour, j'ai quelqu'un, après ça, y'a pas même convoqué moi, Tevin, au tribunal administratif. Affaire là passée, y'a pas convoqué moi, mais pas même 4 ans pour passer. Et j'ai une dame du tribunal administratif qui me dit, et je t'assure, Jimmy, je ne connaissais pas ce que c'était des conclusions. En fait, on a parlé de ça. En qui ne fait ça, on ne peut pas dire qui j'en fais. Et, au madame qui a crié, moi, je pense que c'est ton greffier, il a dit moi comme ça que, monsieur Kiaba, c'est vous qui avez été contre le préfet, putain, oui. Eh bien, voilà, vous êtes, votre recours est passé et que, normalement, il a débouté le préfet là, donc, il a qu'à moi, DSDS, DEASS, moi. Alors, on est tombé des nues. Parce que j'ai comprendre véritablement qui j'en fais. Ni quand on fait, on peut dire comme ça qu'on est arrivé véritablement à gagner l'État face à un diplôme qu'il n'y a pas été à un moment-là, c'est quoi qu'a dit exactement Hubert Kiaba? Alors, ça changeait énormément, vision en moins, vie en moins. En disant, Hubert, si on fait ça pour, ou que peut faire ça dans d'autres mondes, c'est la première chose que je me suis dit. Il faut que j'aide les autres. Mais c'est quand même étonnant, parce que vous, pas dit quoi, ou qui a accompagné Famille, ou qu'a dit, ou qu'a accompagné d'autres mondes qui peut-être ou pas connaître plus que ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et je t'assure que j'ai fait ces conclusions et je ne sais pas, j'ai laissé faire. Je ne me suis même pas intéressé, j'ai reçu des trucs de l'État, mais des conclusions bien écrites et tout. Mais en tout cas, conclusion m'est passée et là, ça a changé quelque chose chez moi. Qu'est-ce que ça a changé exactement, Hubert? Ça a changé ma vision et ça a changé... Peut-être je me suis dit encore, il fallait que je me batte davantage.
il fallait que j'apprenne, il fallait que je défende et qu'il fallait rentrer dans ce tribunal-là. Parce que s'ils ne m'ont pas appelé, et donc j'ai senti quand même cela, j'ai dit qu'il doit y avoir d'autres personnes comme moi. Quand tu as eu la décision de justice, quand tu as eu cette décision de justice, tu en parles à qui exactement ? Des collègues, j'ai un ami, Marc Mivalé, que j'en parle, j'ai quelques personnes proches, mais quelque part, personne de vraiment, tu vois, d'imposant qui peut aller dire ça, qui fait que jusqu'à maintenant, ils devaient m'envoyer le diplôme même qu'ils m'ont jamais envoyé, mais pour moi, la décision de justice disait tout, quoi. Ouais. Donc, et j'ai encore cette décision-là qui a dans les petits papiers en moins pour dire comme ça que voilà. Ça, c'était ta première victoire. Pardon? C'était ta première c'était victoire. C'était ma première victoire. C'était ma première victoire. Et la deuxième victoire que j'ai eue au tribunal administratif, c'est une dame que la commune de Sainte-Rose avait décidé de faire démolir sa maison à Viard. À Viard-Sainte-Rose, au tribunal administratif, parce que le maire de Sainte-Rose à l'époque, eh bien, t'es décidé que Mme Natro pouvait à Mangovla à Viard et que Foyo Krasé et Kazaï. Je m'appelle et Kavino, monsieur qui a bâti, pour mon avocat, il n'est pas bitin, les avocats, il n'est pas bitin. On dit, mais non, mettez ça là, nous que voyons ça. On fait qu'on gros bitin, et je t'assure, et je vais trouver, je pense que si monsieur Lascari m'écoute, parce qu'il m'a bien accompagné dans ça, c'était notre première victoire. Eh bien, on dit, madame Lassa, nous qui aille, on connaît le tribunal administratif, on connaît le fonctionnement, yo. Ok. Alors, j'ai fait des observations. Et quand on caille là, on a dit, où c'est toi qui gagne? Ah, c'est toi qui gagne. Parce que, pour moi, il peut pas qu'à croiser Kaza, madame là. Mais madame là, qui a dit, moi, que Kaza était là, et que voilà. Eh bien, nous aille là. Deux ou trois, peut-être trois ou quatre mois après, la dame vient me dire, monsieur Kaba, je suis content, j'ai gagné. Et cette dame-là venait souvent au CDM, mais c'est comme ça que le truc est parti. Et on a pu gagner. Jusqu'à maintenant, cette dame-là, elle vit là encore. Elle vit à Via, elle a fait sa petite vie. Et sincèrement, ça a été deuxième victoire, effectivement, qui nous passait au niveau tribunal administratif concernant les gens qui ont aidé. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc pour te répondre sur le plan scolaire, après, on s'est appelé électrotechnique. Eh ben, en cas estimé, quand on est en niveau 3, parce qu'on est en niveau de ASSS. Donc, si, normalement, même si on dit que ça y voulait, c'est son validation de l'acquis, mais quand même, on est, parce que j'ai là, en qui dit qu'on ça, qu'on travaille dans, en butin. Et quelque part, ça m'a pas poussé plus que ça, et j'ai plutôt eu envie, comme tu disais, de mettre cette connaissance-là à la disposition des autres, et on fait beaucoup de sacrifices sans même qu'on se rende compte. On est dans la première partie de ce rendez-vous carte blanche, réservée à Hubert Kiaba. Vos informations via la ligne WhatsApp au 0690 11 11 10, les questions, vos messages, c'est déjà pas mal, hein. Il y a pas moins de 15 messages, Hubert. On va les lire dans la deuxième partie. Si vous avez des choses à dire à Hubert Kiaba, si vous voulez l'encourager, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à la ligne WhatsApp, mais également on est en Facebook Live. Dans un instant, la deuxième partie de Carte Blanche. Carte blanche de Jimmy Pierrot, avec des invités prêts à tout pour dire ce qu'ils pensent, haut et fort, sur RCI.
Deuxième partie de ce rendez-vous, carte blanche réservée ce soir à Hubert Kiaba. Dans cette deuxième partie, vous pouvez réagir. Comme d'habitude, vous êtes déjà nombreux et breuses à nous avoir laissé des messages. Hein. Questions et messages via la ligne WhatsApp au 0690 11 11 10. On est en Facebook Live également. Vous pouvez avoir le son sur RCI, première radio de Guadeloupe, mais également sur le Facebook. Hubert Kiaba, dans cette deuxième partie, on va parler des temps forts de ta vie, les dates importantes. On va s'arrêter à l'année 2002. Pourquoi 2002? Parce que c'est l'année de naissance de mes deux enfants. Ouais. Donc, dans les enfants, j'ai pris mon temps, comme on dit, et après, c'est arrivé, vraiment, je suis satisfait, je suis un papa poule, un papa comblé, un papa qui apprécie ses enfants et que voilà. Tu apprécies ou tu les aimes? Je les aime, je les adore, je tout. Bon, toujours est-il que chaque butin là, après ça, rien. Donc, quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Ouais. C'est pas parce que j'apprécie que je les aime, mais lorsque ça ne va pas, je les congratule ou tout. Mais, oui, j'apprécie, je les aime et tout. Et de cela aussi, comme en ce moment, j'ai une compagne avec qui a aussi un enfant, un jeune enfant plein ado, moi qu'a considéré, je considère aussi que son enfant de 14 ans, c'est aussi mon enfant, donc ça me fait quelque part trois enfants. C'est une famille recomposée. C'est une famille recomposée. Quoi. Tu as deux enfants, fille garçon? Fille garçon, oui. Fier? Et fier. Est-ce que tu veux avoir des enfants? Est-ce que je veux avoir d'autres enfants? Ouais, ouais, je suis un problème. Sans question qu'on pose. En fait, quand à un moment, je pense qu'il faut, je ne dirais pas passer la main, on ne sait jamais comment demain sera fait, mais après, ça n'a pas été, je me suis pas encore vraiment posé cette question-là. Pas posé la question. J'adore les enfants. J'adore les enfants. Et quelle que soit la chose qui va se passer, là, jamais, j'estime que je ne serai jamais un papa démissionnaire ou alors il a caché des... Il sera toujours présent. Oui. Toujours présent. Oui. Lorsque j'entends, il y a des pères qui oublient leur enfant ou alors, qui n'arrivent pas à s'entendre avec la mère ou alors, qu'il y a eu qu'à voyer, ou qu'on ça, si maman, si mon aïeux, qu'il y a eu qu'on ça, qu'il y a eu qu'à peine d'obitain, ou qu'il y a eu qu'à ou qu'il y a eu problème. Parce que lorsqu'on a quand même la chance, et on a la chance d'une femme enfante pour vous, cette femme-là mérite du respect. Du respect, à part du respect en filigrane, mais en grand sens du terme. Ça veut dire que... Mais ça va aussi dans les deux sens. Dans les deux sens. On est d'accord. Dans les deux sens. Donc on s'est arrêté à cette première date, 2002. 1977. 1977, j'avais anticipé Jimmy, c'est lorsque je te dis que sur le plan scolaire, et que j'avais véritablement, était sûr, j'avais mes tantes qui me suivaient, la famille qui disait, ah, mais Timouna, ça qui fait un docteur, Timouna, ça qui fait ci, très bon à l'école, et lorsque, quelque part, on vient, on assiste, on voit que cette injustice-là, eh bien, quelqu'un qui est cancre de l'école, eh bien, arrive à passer, ça casse quelque chose. Oui, ça t'a marqué quelque part. Ça m'a marqué et jamais je n'ai oublié, je ne vais oublier effectivement cela. Je vois ça tout le temps, quoi. Mm-hmm. Tu assistes à ce genre de choses pour toi, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Parce que j'estime. C'est de l'injustice en même temps. C'est de l'injustice et j'estime que pour moi très souvent je suis j'aime la compétition. Je dis à mes enfants ça, c'est de la compétition. Quand tu es à l'école, il faut essayer de faire en sorte, mais la compétition saine, hein, d'être le meilleur au foot, le meilleur, t'as toujours envie de gagner. Et quelque part, lorsque je vois que te mouilles les chemises et que ou quoi, voyez quoi passer devant, eh ben parce que c'est mon amant est tel. Eh bien, ça a commencé à mettre un petit bidon côté. Une petite frustration, quand même. Une petite frustration, il a arrêté, et malheureusement, il a arrêté depuis longtemps. Est-ce que ce genre d'échange, tu l'as aujourd'hui, avec le recul, Hubert, tu l'as avec ta compagne? Est-ce que tu partages ce genre de frustration quand tu rentres parfois, ouais, bah, réponds boucan, ouais, on est de notre côté, ou fait, on démarche, ou quoi rentrer, ou quoi discuter, ou quoi pas la veille? Ou quoi échanger? Alors, Jimmy, tu touches un truc qui est, j'imagine aussi, elle est devant la radio là maintenant, et d'autres qui disent, bon, regardez, qu'il y a. Parce que je t'assure, je ne dirais pas qu'on cohabite, hein. Malheureusement, je donne et on sacrifie, fait beaucoup de sacrifices. Et elles subissent tout ça. Parce que lorsque je pars le matin, Ligia Patti, elle est éducatrice spécialisée, et parce que je ne vais pas me coucher tous les jours avant 3h, 3h du matin, 4h du matin. Des fois, donc, elle dort. Et donc, elle part. Je suis encore couché pour la plupart des fois. Et lorsque je rentre, elle est déjà couchée.
Donc c'est vrai que nous qu'à traverser comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va, les gens comprennent que lorsque par exemple on a une mobilisation, on revendique quelque chose, eh bien que tu viens le lendemain, que tu te mets debout dans la rue ou alors devant une entreprise et dire non, il y a une préparation, il y a des choses qui se font, il y a une organisation, il y a des articles de loi, il y a des choses, il faut informer les gens, il faut donc ça demande énormément et on ne peut pas, les gens ne pensent pas que c'est très difficile. C'est très difficile. Donc quelque part, obligatoirement, il y a des gens qui subissent et c'est vrai que singulièrement elle subit ça. Elle subit énormément. Mais pour répondre à ma question, Hubert, comment vous partagez ça? Est-ce que vous discutez, vous échangez et elle également, elle te donne son avis sur la chose? On parle caché ou quand même pérouse. Ouais. Bon, mais par contre, j'ai une chance, c'est que je l'ai rencontré un jour qui était en alerte rouge. On a l'alerte rouge cyclonique, cyclone qui vient en Guadeloupe, je me rappelle pas, ça fait quelques années. Et il a dit, moun, faut pas y bouger. Faut pas moun sortir en Kazayo. Et je suis parti avec, nous sommes un peu trois fous, quoi, hein, Lascari, Alain, et un Bougléon, et ben, nous partis, nous, juste après, nous, défendons madame à 101 ans, qu'elle a mettre des rois et qu'elle a décidé de craser Kazayo. Et que, comme par hasard, madame Amouet, t'es à l'initiative à rencontre là, ça. Et il était qu'à penser que nous pays vine. Et nous braver ça et là nous débarquer après noir et quand nous entend mais il y a les autoroutes, comment vous êtes, nous sortis à Saint-Trois à la Boucan, nous arrivons après noir, nous pas j'ai croisé on vrati, donc tout le monde à Kazayo parce que pied bois j'ai calagé feuille et nous descendons après noir et c'est là qu'on s'est rencontré. Donc elle sait où on s'est rencontré, elle sait véritablement et j'ai l'impression quelque part ça lui permet de ça permet qu'elle comprenne véritablement et cela. Et c'était en fin de compte un grand combat que nous avons mené et que nous avons gagné aussi. Eh bien, cette dame-là, qu'on avait une décision d'expulsion pour elle, eh bien, ça a été en cassation. On a pu effectivement faire revenir cette affaire-là devant les tribunaux. Eh bien, on a condamné les gens qui, normalement, avaient demandé l'expulsion de cette dame-là, qui avait été faite. Donc, normalement, on a quand même une décision très glorieuse et que, je pense, c'est ce qui fait qu'elle comprend, effectivement, véritablement, mais cela. Elle comprend ta démarche, elle comprend ta motivation. C'est vrai que, comme tu dis, on en discute, elle me donne son avis tout souvent, mais comme on connaissait un peu les hommes, donc pour elle avait une raison, quelque part, mais après, même si on a une raison, mais je réfléchis énormément, et après, ou quoi, peut-être revine, si en décision, ou alors sur quelque chose, et les gens disent qu'on trop s'en traite dessus. Mais quelque part, je pense qu'il faut l'être, avoir des convictions, et elle sait que j'en ai. Je pense aussi que c'est pour ça qu'elle m'apprécie bien, quoi, parce que je suis celui que je suis. En 1982. Alors, en 1982, j'ai parlé déjà de ces deux grands hommes, ils vont sentir, mais je parlais aussi du préfet. En 1982, un préfet vient qu'à respecter moi. Mais j'ai beaucoup souffert de ça. Pourquoi? Parce que on a milité depuis c'était un peu après. On a milité énormément. C'est venu après pour la dépollution de la Grande Rivière. On s'est retrouvé avec une Grande Rivière polluée, à jeter de la vinasse et de la part d'un grand industriel, l'usine de Bonne-Mer. Et lors d'ouvrir ça, je me rappelle très bien. Le préfet qui me dit, c'était un petit peu après. Le préfet de l'époque. Le préfet de l'époque, c'était M. Karenko. Pas en 82, c'était bien après. Et le préfet qui nous dit, bon, M. Kiyaba, vous avez raison. On a découvert, après, véritablement, qu'elle nous rentrait à dans un habitant là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, que ouais, poisson qui a mort, cribiche qui a mort, le gant qui est du sac marin, il y a tué la faune, la flore. Mais personne ne faisait rien et personne n'osait aller au bout. Et un jour, nous, à cinq, nous décidons qu'à pousser des tuyaux, et nous mettons un chemin là. Et là, nous mettons ça en chemin là, eh ben, nous mettons les poissons qui sont morts, des qualités grands poissons, eh ben, moun commençait véritablement à comprendre. Et ça créait un bel trouble en Guadeloupe parce que moun a rendu compte que les industriels qui ont goumé pour l'agent à eh ben, ils n'ont que faire de l'environnement. Donc, les gens ont beaucoup suivi. Le préfet s'en est mêlé. Il a une première mission à essayer de débarrer Chimela, mais c'était aussi, il avait aussi comme mission, en plus de débarrer Chimela, de faire en sorte que solution là trouvée. Et c'est là qu'on a rencontré le conseil régional avec Mme Michaud à l'époque, qui était voyé à Démarre, pour te dire qu'il a financé un méthaniseur dans l'usine là, et qu'il n'a pas même savent que l'usine là n'a pas ni pour papier, pour autorisation administrative. Et
C'est là qu'elle nous commençait véritablement gourmer. Et je m'appelle à 2h du matin, le préfet qui est parti et qui m'appelle. Bon, monsieur Kiaba, vous avez gagné. Je vous le dis, l'industriel n'a pas de papier, n'a aucun document. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit nous fermer, ou bien est-ce que vous serez d'accord à ce que nous caille imposer des métiers en règle avec un contrôle, avec une diminution des charges, avec tout? Ah ben, on avait tout le monde qui disait non, mais il n'est pas question, c'est fermé ça, c'est fermé ça. Et Jimmy, je pense que ce jour-là, je ne sais pas où est-ce que j'ai pris la force, parce que les gens n'entendaient pas cela comme ça. Tu as tout pratiquement l'impression qu'il y a des gens qui pensaient que la Guadeloupe était pour l'indépendance là, parce que ça t'est vraiment marteau, ça t'est vraiment raide. Les journalistes étaient agressés. À partir du moment que tu venais, tu étais blanc, tu traversais les trucs, eh ben tu te faisais agresser. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Je disais que nous n'ayons un objectif, c'est l'usine là, et que voilà. Et voilà que y a quoi dire moi, qu'on fait, nous quoi fermer ou bien nous quoi laisser ouvert. Et je me rappelle, le lendemain matin, j'ai vu quelques amis un peu les plus proches, et on dit, au cas, nous quoi faire? Parce que, quelque part, ceux qui travaillaient dans l'usine, c'était aussi nos frères et nos sœurs, enfin, l'un des frères et sœurs, moi, pas ni pour un frère et sœur qui travaillent là, mais des mondes que nous connaissons. Et là, pas ça vaut l'emprunt pouvoir, là, ça fausse là, ça, mais arriver à faire les mondes qui étaient sibaillés là, et les mondes comprendre que, non, faut pas nous laisser ça fait. Faut pas nous y fermer l'usine là, mais au contraire, faut nous bayo les moyens pour que ben nous les moyens pour faire monde comprendre que faut nous laisser les usines fonctionner, mais elles vont réglementation et elles vont on obligation de respecter et de mettre en règle. Et nous tenons véritablement en usine qui était pratiquement en détritus, et que jour de là et ben nous cavrer comme ça et nous arriver à faire monde comprendre que faut fonctionner et faut mettre les usines là ça effectivement en règle, et c'est à nous répondre préfet là, et nous t'es là tout le temps qu'à contrôler, qu'à vrai, et en pays du conseil, que c'est comme ça que le ministre Lavigne, il était voulu venir au Anoussan à ivrer l'usine là, et c'est là à ivrer l'usine là, ils comprennent que, il était dans un amas de ferraille. Et donc, c'est comme ça que, il est arrivé véritablement à partir, à voyer l'agence, à faire en sorte à ce qu'industriel là, mettait en ordre. Et c'est pour ça que l'usine là, ça, monde pas savent ça, mais c'est le troisième exportateur d'alcool pur dans le monde. Ça veut dire qu'il y a quoi faire alcool industriel là, il y a quoi faire tout alcool que vous trouvez dans Birom, tout alcool que vous trouvez dans Parfum, tout alcool que vous trouvez en pain de compte en pharmacie. Et bien, c'est au Anoui qui a sorti dans l'usine là, ça, la 6 de bonne mère. Donc, aujourd'hui là, nous on fait oui véritablement au niveau technologie. Et bien, en cas de contact, c'est grâce quand même à un combat que nous avons mené et qui fait qu'il a, il est là, aujourd'hui là. Et c'est pour ça que, aujourd'hui là, nous très fiers des combats là, ça, que nous menons là, et de faire en sorte surtout que, eh ben, nous a resté fait mon comprendre, et c'est ça, t'es qu'à penser, là, on va dire, bon, mais nous va continuer, mais nous va mettre ça à Rennes, parce qu'en Guadeloupe, lorsqu'on regarde, on arrive en Guadeloupe, on regarde le sigle de la CCI, par exemple. Ou quoi, vous voyez, en grand C, c'est la chambre, donc, grand chambre. Nous sommes tous quelqu'un qui a fait la chambre. En moyen, c'est commerce. Donc, commerce, allez acheter un bitin 15 euros ici, et vine vendre 300 euros, bon, et on PCI, industrie. Ça veut dire que nous pas ni assez en estimé et ben le sens de l'industrie à éduquer tout monde en nous pour que yo peut transformer véritablement les matières et faire en sorte à ce qu'un produit rentre tel et qu'il sorte en notre butin. Nous tout cas comprendre que c'est dans le commerce. Ça veut dire que aille acheter un prix 10 centimes et aille vendre effectivement 25 centimes 25 euros et ben là, et c'est pour ça que est animé par ça que nous dit non, ni on industrie, ni on l'usine là, et l'usine là, ça a fonctionné, et c'est pour ça que, eh ben, c'est mon assaillot qui a respecté nous, et que nous pas regretté la décision là. Mais par contre, on souffert énormément de certains nationalistes, en pays, j'ai oublié, qui étaient qu'à dire comme ça que, ouais, mais préfère là, acheter Kiaba. Et que, voilà. Et, nous, on l'entit, ça a été très difficile, ben, moi, parce que chaque fois, en partie, ça a pour faire, parce que là, on voit nous téléphone, putain, il y a dit comme ça que là ouvrait peut-être que tenions mouvement nous te caï assez mouvement là il a dit la jambe de Kiaba là fini et là ouvrait nous pas te ca faire rien il te dit il a acheté il a pas fermé encore donc à te comment dire moi mais dans son soir dans notre il toujours qu'a dit orbiter donc il a dit ouais mais là la fini ou bande de Kiaba et Kavin là puis et là on pas faire rien il a dit il a acheté yo. Donc on est resté dans une période où moi ça me turlupinait, et avec les amis on se disait mais qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que j'ai été choisi par les camarades pour être le leader dans cela, et je peux dire que on prend énormément de coups à dans ça. En tous les cas Hubert, il y a énormément de personnes qui réagissent, on va lire les messages, hein. Pas mal de messages via la ligne WhatsApp. Carte blanche de Jimmy Pierrot avec des invités prêts à tout.
pour dire ce qu'il pense, haut et fort, sur RCI. On est dans la deuxième partie de ce rendez-vous, on a donné les temps forts, Hubert. Avant de lire les nombreux messages qui sont arrivés sur la ligne WhatsApp, je souhaiterais que tu me cites les trois amis que tu as, trois amis sincères, depuis tantôt que tu as, trois amis sincères, et le point commun de ces amis. Les points quoi? Les points communs. Ouais, mais Jimmy, si on dit trois, enfin, on dit plus. Ah, on est plus qui trois amis, alors? Non, mais on est soit, on est plus, ou bien soit pas des pognons. Pognons moins dix. Ah, non, mais, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui me sont très proches, il ouais. Quelles sont ces personnes? Il y a les Lascari, Alain. De toute façon, depuis tantôt. Qui être proches. Ouais. Mais j'ai aussi beaucoup de femmes autour de moi. Ouais. Des gens avec qui on partage vraiment des choses, au niveau de militants, parce que quelque part, en grande partie de ma vie, c'est pas aller garder un match de football qui est en vie, aller garder un certain de bitins, c'est véritablement dédié militant, c'est du militantisme. Tout le temps, c'est veillé au caillé. Donc, quelque part, obligatoirement, eh bien, ces amis-là. Ce sont tes amis. Ce sont des amis. Ce sont tes amis. Ces mêmes amis connaissent ta compagne? Oui, Est-ce que tu mélanges les deux? La vie, ta vie, parce que tu as aussi une vie avec ta compagne que tu partages. Bah, j'essaie de ne pas mélanger. Tu mélanges pas les deux? Non. Tu sais pas? Je sais pas, et c'est pour cette raison-là que souvent je suis pas là. Je prends un exemple. Ce samedi-là, on était à Damrazo parce qu'il y avait une affaire au niveau de Bellevue Moule pour des personnes qu'on allait expulser, une trentaine de personnes que Kazayote a écrasé parce qu'ils étaient dedans sur un terrain qui était appartient à un industriel. Donc le samedi nous n'étions pas là et le dimanche nous étions dans notre affaire encore à Guayave où nous avons famille Inago et ben qu'ils sont en train de voler pratiquement 27 hectares de terre à yo et qui ont grand bourg de plus de 80 ans, ils menaçaient de kazaï. Et jodla, nous avons découvert véritablement un dossier que, où nous avons découvert, mais qui j'ai eu quoi couillonner ces mounes-là. Donc, par conséquent, tu es là tout le temps, tu es là le samedi, le dimanche, par exemple, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Donc, oui. Donc, tu es avec les amis. Tu es avec les amis. Tu es avec les militants. Aujourd'hui, j'ai Sandro qui est sorti jusqu'à Sainte-Anne et il dit mais non, on peut pas être là tout seul quoi. Donc il vient accompagner, donc il vient là et il carré parti. Donc il faut savoir véritablement respecter ça et savoir où tu mets ces gens-là dans ton cœur parce que quelque part quelle est la place de ta compagne dans ce j'ai envie de dire ce regroupement où tu t'es donné corps et âme à l'engagement pour le Guadeloupéen. Elle me permet de garder les pieds sur terre. Elle te donne l'équilibre. Elle me permet l'équilibre. À un moment, tu as présidé, tu as dit, mais à un moment. Parce qu'au final, quand tu rentres, quand tu termines, voilà, c'est elle qui est là. Tirer sous l'IAO là, bitin là, ou quoi faire même bitin là. Donc, il est important pour l'équilibre et pour que t'aies pas pété aussi, mais que vous pensez de temps en temps que, voilà quoi, mais ou pas le centre du monde. Et elle n'hésite pas, effectivement, elle n'a pas de mal à te dire que t'es pas le centre du monde. Je pense que c'est tout ça. Elle a un regard. Sur ce que tu fais, elle donne un avis très tranché, c'est une grande dame et que je pense qu'il ne peut pas y avoir deux comme elle. Parce que, il n'y a débité et il n'y a en rigueur qu'un panier. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir? Parce que forcément, elle écoute la radio. Forcément, ou quelqu'un, ou au monde qui dit demain, tu sais, Hubert était sur RCI, il a dit ça de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Que c'est une grande dame et que... Est-ce que tu le lui dis au quotidien, Hubert? Ah oui. Est-ce que oui, je pense que je lui dis. Lui envoie des messages. C'est une grande dame et elle est complémentaire parce que là où je laisse aller, là où peut-être que je dis bon, ben je pars, je rentre, je vais pas manger, elle va m'appeler pour me dire attention, mais faut manger. Donc là où peut-être quand elle dit bon, ben d'accord, bitain pour la vie n'a pas même qu'à garder ça, elle dit moi bon, mais attends, nous payer bitain pour ou même si on va bitain. Donc là où peut-être que je vais laisser aller, peut-être qu'il y a un petit mensonge, elle dit bon, mais il y a fait, il y a pas fait. Là où je dis à quelqu'un, elle entend que je dis à quelqu'un bon, mais je serai là à 2 heures. Malgré que c'est pour quitter un dimanche, eh ben là au vrai, il disait, il n'est moins qu'à, il a commencé à dire, n'oublie pas que tu prends 45 minutes pour arriver à ton rendez-vous. Et que très souvent en retard parce qu'il n'a pas dit moins ça peut-être assez. Donc je l'apprécie pour ça, c'est quelqu'un qui quand même est important. Et c'est pour cela que des fois, on a envie d'aller plus loin, on a envie de donner plus. Malheureusement, eh bien c'est les gens qui décident et que on vit dans un petit pays où voilà, c'est pas toujours facile. Mais oui, c'est important d'avoir quelqu'un qui peut vous faire avancer. Carte blanche entre 20h et 22h sur RCI. On est toujours dans la deuxième partie de ce rendez-vous. Hubert, on a pas mal de messages, hein, des messages qui sont arrivés via la ligne
WhatsApp, énormément de messages. On va lire quelques messages. Oh, je pense que pendant la course là, un vrai vral au vent et il fait mon petit coucou au loin. Qu'a dit bonjour? Oui, oui, qu'a dit bonjour. La dernière fois, c'était le 21 décembre dernier. Le 21 décembre. Après le 21 décembre, nous venons à dans, comment ça s'appelle, ce qui s'est fait au département? Au congrès. Et dernière fois, nous venons, Jimmy, il m'a promis que sur les problèmes, notamment de la SAFER qui se passe et les problèmes que nous avons évoqués, il dit, moi, Hubert, tu vois que tu as dit ça en public, je vais te recevoir. Et mais jusqu'à maintenant, ils vont rien recevoir, nous. Ça a fait combien de temps? Le congrès, ça a fait des mois passés, hein. Ça a fait plus que deux mois. Donc, il nous a promis, effectivement, de nous recevoir. Et après, donc, il va le faire. Il va le faire. Il dit, nous, qu'il a été qu'il fait. Ouais. Donc, mais il va le faire. Ouais, mais il va. Est-ce qu'on a pensé qu'il faille? Mais pour y faire, il faut que nous accélérions encore, si. Ah. Donc, c'est. Mais au soleil, qu'a coûté, oh. Alors, mais on a espéré que, mais de toute façon, il n'y a qu'à garder les cassettes, hein, qui a été dit, de nous parler, que voilà, que Hubert, je le reçois. Parce que, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce petit pays-là. J'ai bien compris. Tellement de choses qui ne vont pas, et que lorsque nous nous mobilisons, ou alors lorsque nous allons, au congrès, parce que nous voyons des gens là, eh ben, on va pour tenter de régler de vrais problèmes. Très bien. La dernière fois que tu as regardé un film sur Netflix, pas trop Netflix. Netflix. À Pabiter. Non, pas du tout. En Panitan, déjà. Au cinéma, en Panitan, pour s'éviter ça. Non, pas du tout. Dernière fois, nous voyons un film, c'était avec ma compagne. D'accord. Et c'était, voilà. D'accord. La dernière fois que tu as fait à manger. Ah, je fais ça tout le temps. Pourquoi faire ça? Un petit moment. Qui t'ont fait manger? On est quel jour aujourd'hui? On est. Aujourd'hui, c'est mardi. On est mardi, samedi. Samedi, quoi au cuite? Dimanche, quoi au cuite? Dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la viande. C'est vous qui fait de A à Z? Ah oui, de A à Z, en très fort dans ça. Ah ouais, ou quoi que tu manges très bien. Pas fait souvent, mais en très fort dans ça. Café. Là, j'ai fait un gratin de Christophine, tiens. D'accord, c'est vous qui faites? C'est moi qui fais. Carte blanche, 20h-22h, avec Jimmy Pierrot. Le terrain de jeu des esprits libres et des invités qui se confient. On est dans la deuxième partie de ce rendez-vous, carte blanche de Hubert Kiaba. Dans cette deuxième partie, on va aborder l'actualité, le tour cycliste de la Guadeloupe, tes rapports avec les gendarmes, Adrien Baron, les élections municipales et le rôle de ta femme. On va être assez concis, bref, le tour cycliste de la Guadeloupe. Est-ce que tu as suivi le tour cycliste de la Guadeloupe, Hubert? Dès que j'ai pu, je le faisais, mais le tour cycliste pour moi a été gagné avant même le départ, avant le prologue. Et moi, j'ai mon champion, Boris Karen. Et je dis que c'était pas juste. J'avais quelque chose qui était resté encore là. Encore une injustice. Encore une injustice. Tu te dis encore une encore injustice. Une injustice. Et lorsque je vois ce que le gars a fait, ce que le gars a fait pour la Guadeloupe, lorsque j'entends qu'il a été au tribunal, mais la Guadeloupe n'était pas là. Alors, j'ai envie de te dire quelque chose. Très certainement, il écoute ou il y a quelqu'un qui va écouter demain à la même place. Le président du comité cycliste de la Guadeloupe sera assis à ta place. Frédéric Théobald, si tu devais lui dire quelque chose, ce serait quoi exactement, Hubert? Quoi plus en l'homme, diriger avec AI, pas laisser les politiques prendre la place. Je suis sûr que la décision qu'a pris Théobald nous a montré que Théobald n'est pas une graine. Je ne peux pas comprendre que Théobald dit à donneur de grande écoute que oui, mais moi, je voulais quelque chose pour me couvrir, et c'est pour ça que j'ai refusé effectivement le départ au club de Boris Karen. J'ai refusé le départ parce que je voulais quelque chose. Et lorsque la décision est arrivée, il s'est senti soulagé parce qu'il a dit au moins je suis couvert. Et je ne peux pas comprendre ça. Et c'est là que je reproche véritablement à nos politiques. Eh bien, lorsque vous savez, vous êtes face à un champion comme Boris Karen, on peut nous dire ce qu'on veut. Et je ne comprends pas qu'on ait attendu une décision d'un tribunal pour véritablement dire que le gars avait raison. Le gars a déjà gagné 3 tours de la Guadeloupe. Le gars, effectivement, a fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre lorsque Boris Karen, eh bien, lorsqu'il a gagné, lorsqu'il est sur le vélo, eh bien, bande de chalus, c'est qu'il est venu, il a pomponné, il partait même une temps pour être épicé. Je de là parce que Boris prend des années en bitin et le gars a fait quelque chose d'extraordinaire. Il aurait pu dire, moi, je descends du vélo, je reste chez moi. Bouga, créons un club, mettez à disposition un monde. Et Bouga, effectivement, car mettez au service à un leader. En cas, pensez que si c'est politique, on nous l'a sorti qu'à prendre leçon là, ça, eh bien, en l'autre, il est sorti dans ces postes-là, qu'il y aurait là, pour y avoir des jeunes
place pour que yo te paye effectivement, eh ben, faire la Guadeloupe avancer. Parce que yo, depuis yo a dans place, faut yo rester jusqu'à la mort. Eh ben, Boris montre yo le contraire. Boris montre yo que moi, en tes leader, en tes champion, effectivement, eh ben, Jodla, à service à équiper en moins. Et malgré ça, regarde ce que le gars fait. Aujourd'hui, je dis chapeau. Et c'est pour ça que je profite de ça, Jimmy. Lundi, ça fait plus de 20 ans qu'on fait des réunions. Lundi, on dit qu'on s'est nous éteint toute militantise au niveau foncier et tout. On reçoit, comme il se doit, Boris Karen à la Boucan, à dans réunion-là. Parce qu'on estime que... Lundi 9. Le combat, ce qu'il a fait, est de se mettre dans la rue pour dire soit Zoka Medzot qui a respecté la loi, ou alors soit Péni le tour. Et je dis que ça, c'est un grand homme. Ça, c'est un homme qui n'y couille. Et franchement, j'ai dit qu'on met les choses en stand-by. Lundi, j'attends effectivement les gens qui respectent, les gens qui aiment Boris, eh bien, qu'elle nous vienne et qu'elle nous fait Boris, bien des présents, ça y est, et qu'elle nous prépare Boris son bel cadeau, eh bien, pour effectivement, ça y est, qu'a fait nous vivre, ça y fait nous vivre, parce que la Guadeloupe a aussi besoin de ça. Je rappelle que j'ai été aussi, Jimmy, parce que je sais que certains diront, ouais, mais attends, qu'a quoi fait, y'a quoi fait militant, ou bien y'a quoi, ça. J'ai été celui aussi, lorsque Teddy Riner, personne ne le connaissait, eh bien, qui a organisé première manifestation, des premières manifestations en Guadeloupe à Teddy Riner, eh bien, c'est moi qui, effectivement, t'es à l'origine à ça. Donc, lorsqu'il faut pousser les Guadeloupéens, parce que nous aussi, notre population a besoin de rêver, notre population a besoin véritablement qu'on se retrouve autour de champions, autour de gens qui nous donnent l'exemple, eh bien, on a besoin de ça. Et moi, je pense que, normalement, Boris, tu dois être ça aussi. Nous te de caparer de mettre Boris au musée Grévin ou bien mettre en mise en Guadeloupe comme ça pour que nous te permettre eh ben Boris Karen. Et je pense que c'est dommage que moi j'ai eu l'impression qu'il a été traité comme il est effectivement qu'il a été traité comme il a été traité autour. Donc lundi 9 à partir de 19h, nous avons fait vraiment belle ovation. Tes rapports avec les gendarmes, quels sont tes rapports avec les gendarmes? OK, dis-vous bien. Bien pourquoi? Parce qu'en ça, c'est monsieur qui travaille ou qui travaille. Moi, je pense que lorsqu'on comprend le système, le truc de la République, pour comprendre que ni le pouvoir, ni trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, ces gendarmes-là, ils sont là pour faire, pour... Tu déposes empreinte. Les gendarmes pas là pour du civil, ils sont là pour du pénal. Ou enfreindre la loi, eh bien, ils sont là. Moi, si qui a bavine, qui a bavé en bêtise, qui a bavé en okay, là. Mais la plupart du temps, lorsque les CDM se déplacent, c'est qu'ils nous n'y raison. Donc, Jimmy, la plupart des fois où nous allons sur un combat, les gendarmes viennent, ils comprennent le combat, quand même. Ils comprennent le combat. J'entends, regarde ce que se passe en Afrique. Est-ce qu'il y a dit ça? Mais bien sûr. Il y a dit ça, il y a parlé avec eux, il y a beaucoup. Ouais. Plus qu'on ne le pense. J'ai énormément, effectivement. Ça pas veut dire qu'on en connaît, hein. Si on vient plus haut, moi, mes notes, si on vient plus haut, chez moi, c'est le matin, il y a que fait. Je sais, mais ça n'empêche pas que c'est pas parce que lui, il fait son job, et que moi, en Kevin Haïli pour ça. Mais je sais, à pas m'en dépend en faveur. Et lorsque je sais que quelqu'un y en travaille, à pas l'enquête chercher les problèmes. Donc, Jean Dabla qui a fait taille, nous qu'a fait en monde. Et Jean Dabla dit qu'on a chaque qu'a fait mission à oui, nous qu'a fait mission nous. Lui, qui a fait taille, et nous qu'a fait en nous. Les nous, en chemin là, nous qu'a dit, nous en chemin là. Pour ça, fait ça, on y a fait, mais nous qu'a fait ça, nous y a fait. Et donc, on y a un rapport qui est plus respectueux, éveilleux. Nous pouvons dire amical, mais respectueux oui, dans la... Oui, amical. Zoka discuté, Zoka échangé. On peut même dire amical, respectueux. Pourquoi respectueux. Pas amical? Parce que nous ne pas rentrer dans le truc d'amis, mais en cas respecter ça, il faut faire, mais il faut respecter, en cas de aussi respecter ça, en cas fait. Donc, par conséquent, en pape, il y a pape moins. Très bien. Adrien Baron, quels sont tes rapports avec le chef d'édilité de la ville de Sainte-Rose? Très bon rapport. Vous discutez, vous échangez. On a de très bons apports. On a un jeune qui fait et on s'est rencontré pas loin, pas plus que ça fait peut-être une semaine. Et moi, t'es qu'à dire, dis-nous qu'il a fait, parlez plus, communiquez plus, parce que il faut dire que mon qui dit vous voulez, vous voulez pas, ça pas veut dire qu'on est d'accord politiquement avec Bita Adrien Baron, hein. Mais quand même, en t'es qu'à ton à Sainte-Rose. Pas tes ni moyens, les salariés pas t'es payés, les vraiment basage étaient là. Yo t'es qu'à faire, les salariés de la ville de Sainte-Rose, yo t'es qu'à faire, grève, yo t'es qu'à faire défiler en chemin là, pour yo t'es touché. Yo t'es qu'à toucher vraiment au lance-pierre. J'ai là quand même en pas attendre ça depuis Adrien Baron là. En pas dit que c'est le meilleur, mais en cas dit comme ça que, il tirait Sainte-Rose quand même, vers
qu'on dise ce qu'on veut, on peut ne pas l'aimer. Moi, il y a des choses qu'il fait que moi je. Quelqu'un fait comme ou j'ai dit non, faut pas faire ça, ça pas bon. Ou peut pas qu'à dire moi tout ça est qu'à faire bon. Mais non, pas du tout. On va prendre exemple par rapport à la gestion du problème du comté de l'Oyac avec Monsieur de Jaham. On pas pensé qu'il qu'à prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut dire ça, Hubert Kiaba? Mais là, c'est que par contre, c'est bon qu'on peut dire toute vérité. On peut dire vérité. Oui. Parce qu'on peut estimer que son jeune bourg, on peut estimer que le sapakai, on peut dire bon, Adrien, sapakai, et qu'on dit mon bébé, tel bité aussi. Comment il a crié? Il a crié mon bébé. Donc, il a dit moi que. Mais nous toujours respectons nous. Et depuis, effectivement, je me rappelle, j'étais dans l'équipe de Bazagier. Lui, il était aux élections et avec, dans son équipe, et il était dans la minorité. Mais après, il s'est allié avec Bazagier. En tout cas, vous voyez ici, vraiment, comme Mansé Rapin. C'est ça, mais dans le respect. C'est ça, t'es qu'à dire. Vous n'avez pas été toujours amis. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui a fait que Jodla, Zokapalé, Zoka échangé? Est-ce que dans la politique, Hubert Kiaba, on a des amis? Est-ce qu'aujourd'hui, Adrien Baron, c'est ton ami? Mais non. Non, on n'a pas d'amis en politique. Est-ce que c'est ton ami? Mais non, mais si c'était un ami à moi, il était supporté mon législatif. J'ai dit que j'ai compris sa démarche. Tu comprends sa démarche? J'ai compris sa démarche. Tu comprends ce qu'il fait? J'ai compris ce qu'il fait. Ça, mais ce n'est pas mon ami. Parce que il y a des choses véritablement qu'un mancadi n'a pas en pays fait. Maintenant, le gars doit être comptable de ses faits, de ses positifs et négatifs. Mais n'empêche que sur certains faits, je lui dis non, moi, mais j'ai pas là à être là pour lui dire ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire. Bon, par exemple, se battre pour les terres véritablement au niveau de la commune, par exemple à Bis ou alors à là, j'estime qu'on pourrait aller plus vite. Après, il a choisi le PF pour régler les problèmes de foncier de la commune. Moi, pour moi, ça n'est pas une bonne solution. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à non-municipalité, à non-commune, on a un service urbanisé, ou qu'à payer un chef de service, ou qu'à payer des mounes, et que ces mounes ne sont pas capables de faire un site administratif, et qu'il faut aller chercher le PF. Alors, soit compétent, soit pas compétent. Et que par conséquent, moi, à part avec qui j'ai encore chercher le PF pour régler ces bêtises là, alors qu'on est en service là. Donc, aujourd'hui, il y a des petits trucs quand même qui méritent véritablement d'être dit. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut parler à veille? Oui, mais on peut pas en parler, mais tout bon bitin là. Peut-être qu'on laisse, il fait des erreurs aussi, c'est fou. Très bien. On parle de 2026. C'est que je veux dire. On parle de 2026. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas effectivement. Je ne suis pas dans l'équipe municipale. Je ne suis pas dans le conseil municipal, donc on n'a pas à se voir tout le temps. Et mais il peut aussi te solliciter. Ah oui. Il peut avoir la parole d'Hubert Kiaba. Hubert, j'ai envie d'entendre ta parole. Je cite, par exemple, on n'a rien à se cacher. Il me dit, Hubert, franchement, sur le plan foncier, tu connais et qu'on t'est bien souhaité qu'on nous un coup de main dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire un coup de main? Eh bien, ça veut dire qu'il faut venir garder, qu'il y a un cas et à régler les problèmes fonciers qu'il y a posé en Guadeloupe. Et on a dit, bon, mais je réfléchis, je vais voir et que voilà. Mais, donc, comme tu disais tout à l'heure, eh bien oui, mais il me dit que voilà, donc je t'ai donné un exemple par rapport à ce qu'il peut me demander et que on nous a discuté en personne intelligente. Il y a deux échéances qui arrivent, Hubert Kiaba 2026, les municipales, 2028, les régionales. Est-ce que tu vas te positionner en 2026? Je ne pense pas trop. Enfin, me positionner, je me positionnerai toujours. Parce que j'estime quand même que... Alors quand je dis positionner, c'est pas d'aller sur une liste. Est-ce que tu vas te positionner en tant que tête de liste en 2026? Pas à ta connaissance. Pas à ma connaissance. Non. Je ne dis pas que les choses ne peuvent pas bouger, mais je ne pense pas. Tu seras avec quelqu'un? Je vais voir, mais en tout cas, je serai peut-être un acteur dans ce qui se passe. Je ne pourrai pas rester sans rien dire. Ouais. Mais je ne pense pas. J'en ai pris de bons coups et que envie quand même laisser ce bout de coup passer quoi. Parce que j'ai. C'est celui-là qui a fait mal. Ouais, il y a des défaites qui font mal quoi. Ouais. Donc lorsque les dernières élections législatives là, j'en ai pris quoi. J'en ai pris, mais vraiment un bon point. On va parler de ça dans un instant. Et pour terminer les thèmes d'actualité, on va terminer avec le rôle de ta femme. Quel est le rôle de ta femme, celle qui t'accompagne au quotidien? Quel est son rôle au quotidien avec toi, à tes côtés, Hubert Kiaba? Prendre soin de moi à chaque fois que je suis là, quoi. Prendre soin, tu rentres, que les choses soient bien faites, avant de partir, vérifier que tu pars bien,
et voilà, s'assurer que voilà, à court aussi moyen, bien que moi aussi, on va prendre soin d'elle. Ouais. À court moyen, long terme, quels sont les projets que vous avez? Malheureusement, on a mis peut-être pas un petit frein par rapport à tous mes engagements politiques, par exemple. Mais il a souffert là de ça. Et qu'à, par exemple, là encore, je suis dans un combat avec la mutuelle Mao Gaillard, que il y a des choses qui se font parce que malheureusement, les gens qui sont au pouvoir là, et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on analyse aussi, qu'on fasse un petit truc pour voir qui c'est à la Ligue de foot. Eh ben les élections, les mondes qui là veulent pas sortir. Qui c'est à la Ligue de basket? Qui c'est à notre qui l'est encore? Qui c'est à Mao Gaillard? Qui c'est un peu les mondes qui là ils veulent pas sortir Jimmy. En cas d'une tente, j'ai des gens qui m'emmènent des documents de l'hippodrome Saint-Jacques là, le truc des tuyaux là en Guadeloupe. Il y a quoi dire, monsieur qui a bah regardez ça, regardez un règlement intérieur, regardez des statuts de cela. Eh ben ni des statuts, il y avait un bouc qui là, il y avait Timouna habité. Et pensez mon là qui capé là, qui a fait ce voilà, il court là, il a pas voté. Donc pourquoi là, ad vitam aeternam, c'est ça qu'on prise dans la vie. Parce qu'ils savent que ni débit à faire. Et ça qui a étonné moi, ça pas dérangé la région parce que la région qui a financé à haut comme ça là. Donc et voilà ce qu'on dit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester inactif et il y a tellement de choses à faire. Lorsqu'on entend effectivement parler de ce problème de géothermie, comment comprendre que les Guadeloupéens, véritablement, qui soient des amis la Guadeloupe, eh bien, il n'y a pas un moment, dit M. Gérald Bougré, expliquez-nous, dis-nous, on n'a pas Yvonne ça pour Israéliens, eh bien, pour des mondes, après ça, eh bien, tout le monde a capacité au bon bouche en nous. Non, lorsque tu entends véritablement, encore je parlais de ça, mais il y a les élections à la Chambre tout à l'heure, donc la Chambre est partie nombreuse. Il y a des élections à la SAFER. Eh bien, la SAFER bancale. La SAFER pas respecté à rien. On a un préfet qui a signé récemment un protocole. Eh bien, aujourd'hui, la SAFER décide qu'il a fait ça yvelé. À dont l'inégalité les plus totales. Il n'y a personne qui ne dit rien. On a effectivement, alors ça c'était le plus bel. On a au Gosier, à Mao Gaillard, à dont Bitenguakri et Simonette, un château d'eau à Citeron, madame, à 10 mètres des cases à madame là. Madame Jagoumé, depuis plus de 11 ans, madame Nakagoumé, pour qu'elle paye Château d'Ola. Mais en plus, ils mettent Château d'Ola là, mais ils mettent des antennes, c'est Château d'Ola, des antennes à téléphone, et ils ont touché presque 23 000 euros par année pour ces antennes-là. Qui citera madame là? Et là, nous commandons, mais attendre, dans nos papiers à Château d'Ola, ils ont mis ce terrain-là, ils ont dit nous comme ça que, ils ont rendu compte, la SMJ AG, parce que c'est eux qui héritent ça du SIAG, et bien qu'ils n'ont pas mis papier, Jimmy. Et que, depuis plus de 30 ans, Château d'Ola, ça c'était un monde là, il y a qu'à percevoir l'argent à ces opérateurs-là, et madame n'a pas touché 5 centimes, Jimmy. Eh ben, nous t'es obligé de goumer, et j'ai de là, imposer que des antennes, 3 antennes, eh ben, qui, au mi-temps, à une dizaine d'exploitations, eh ben, que y'a tiré ces antennes-là, là. Et là, y'a eu compte qu'il y a en difficulté, eh ben, nous signons un protocole, l'autre jour, je vais les mettre, eh ben, qui dit, faut tirer ça, là, parce que c'est pas ni papier. Mais, nous pas régler pire de là. Pire de là, c'est que Château d'Ola, il a. Et Château d'Ola, pas ni pour un papier, y'a fouillé si on tirait en autrui. Alors, Jimmy, je vais te dire quelque chose encore, il se passe au Gosier. Le terrain de football de la ville du Gosier, le terrain officiel, est sur le terrain de la parcelle de la famille Lindor au Gosier. Avec un titre de propriété et tout, hein. Avec un titre de propriété et tout. Et aujourd'hui, pour se défendre, qu'est-ce que la ville du Gosier dit? Ah ouais, mais nous sommes là par prescription. Trentenaire, parce que ça fait 30 ans nous là. Ça fait 30 ans nous là, donc terrain là doit être en nous. Oh! Ils ont acheté un petit morceau à Méalé Lindor, juste après terrain là. Ça veut dire qu'ils ont pas reconnaître, ça veut dire qu'ils ont pas ni en jouissance paisible, parce qu'ils ont pas reconnaître que terrain là n'y ont mettre. Le centre de sapeurs-pompiers qui est juste à côté du terrain là, il y a 6 terrains à ces mounes là. Eh bien, j'ai de là, eh bien, silencieusement, ils ont tiré le centre de sapeurs-pompiers là, et ils ont dit c'est mounes là, bon, mais nous n'avons pas bon, quand il a récupéré le centre là, eh bien, il n'y a pas ni à dire. Non, mais là, c'est criminel. C'est criminel. J'ai de là, nous avons un bourg à 81 ans qui est en train véritablement de finir, de périr. Eh bien, parce qu'il y a une famille qui décidait qu'il y a 27 hectares de terrain à Goyave et que ce terrain-là, c'est à eux, eh bien, au détriment effectivement des titres à la famille. Hubert qui a bassé, on veut dire, c'est que les dossiers qui ont empilé. Mais après vous, qui est-ce qui là? Si demain vous chapez ou décidez mettre un pied à terre, est-ce que ni d'autres monde
qui est aussi vaillant qu'eux, qui dit demain, je reprends le flambeau, je veux aussi porter ma contribution. Est-ce qu'il y a au cas formé d'autres monde aussi, Hubert? Parce oui, que mais, c'est aussi la compilée. Oui, mais on nous a formé parce que dans si local modeste en nous, nous t'es qu'à garder, nous t'es qu'à dire monde. Maintenant, lorsque quelqu'un vient en réunion, on a deux télés qui consultent. Mm-hmm. Et bien, ces télés-là qui a montré mon tout papier qu'il a gagné juste pour faire la formation effectivement des gens. Donc tous les lundis, lorsque nous nous a montré véritablement ça, nous a fait, nous a montré voilà papier là ça. Et aujourd'hui, de petit à petit, on apprend, on explique, on dit aux gens que leur vrai huissier qui a venu à casa a pas passé qu'à venir mais pour cacher tout le temps. Des fois, effectivement, eh bien, c'est une possibilité qu'il y a pour qu'on puisse effectivement dénoncer et dire que, eh bien, voilà, quand on victime d'un bitin. Mais on a trop de victimes. On a trop de personnes, malheureusement, eh bien, qui, au tribunal, a pas toujours ça là, qui n'y raison là, qui a gagné. Eh bien, on a trop de cas, trop de faits, véritablement, que les gens ont raison, mais les gens perdent au tribunal. La personne qui était, à Guayave, ils ont perdu 3 ou 4 fois au tribunal. Parce que, on n'a pas les avocats qui se prennent véritablement des dossiers et il n'y a pas véritablement on analyse qui qu'a fait. Est-ce que l'ordre des avocats, j'ai demandé combien monde en Guadeloupe qui a cherché avocat en France pour qu'ils puissent régler problème à eux ici? C'est pas normal parce que lorsque regardez avocats nous pas pif, ils pas fait moins études qui c'est là qui en France là. Et pourquoi nous qu'ils payer 8 000, nous qu'ils payer combien l'argent en avocat en France pour qu'ils puissent venir? Eh ben parce que pour faire même travail. Pour faire même travail là. Nous d'accord avec ça. Donc voilà. Carte blanche, 20h-22h, avec Jimmy Pierrot, le terrain de jeu des esprits libres et des invités qui se confient. On est dans la dernière partie de ce rendez-vous, carte blanche avec Hubert Kiaba. Hubert, est-ce que tu penses avoir réussi ta vie? Alors, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Est-ce que je pense avoir réussi la vie? Moi, je dirais non. Pas pour des raisons intrapersonnelles, mais par rapport à ce que je vois autour de moi. Je sais que nous sommes qui n'est qui là, faites pour un bitin. Et là, vous rendez-vous compte de qui j'en société en nous là, sa bancale, qui j'en les injustices qui a véritablement fleuri, qui j'en jeunesse en nous qui a pâti pour la plupart, ou qui a dit que nous attendons un bitin. Si en cas dit nous ratons bitin, c'est la société, mais moi la société. En cas dit qu'on rate un bitin aussi, parce que société là fait de qui monde, de moi, de vous. Si nous toutes décidons que nous quoi rester en casa nous quoi mettre baillant noir 2m50 depuis nous bitin et que laisser la vie rouler, nous qui rendons compte que nous payons aussi bien rester à casa nous que ça. Donc qui nous veut, qui nous veut pas, société là c'est nous qui fait. Donc là où qu'on vrai ça, j'ai mis si en cas dit que en récit à moi, c'est considéré en dit nous jouons un match football en union équipe. Mais l'équipe en moins pède 12 à 2. Et les matchs à fin, en comptant, parce que c'est moi qui m'a marqué des billes à l'équipe en moins. Donc, comment m'a marqué des billes à l'équipe en moins? Pour moi, on a dit que oui, mais en réussit vient moins. Match là bon, parce qu'on m'a marqué des billes à l'équipe en moins, mais on prend 10 billes. Et c'est pour ça qu'elle a tant des élus politiques qui a dit qu'on sait qu'ils sont contents, qu'ils ont un bon bilan, qu'ils ont fait ci, et qu'ils ont rien. Qu'a dit, messieurs, les gars n'ont rien compris. Ou dans la société, regarde aujourd'hui comment ça va mal en France. On n'arrive même pas à trouver un premier ministre. Messieurs, Samitain, mais nous voulons aider. Nous voulons faire toutes sortes de bitins parce que pour nous, nous toujours le plus beau. Mais nous pas rien qu'à garder nous. On fait tout ça. Et effectivement, la question, elle est belle. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici via? Mais moi, en cas de dire non. En cas de dire non parce que nous pas ni nous n'ont trop belle Guadeloupe en main nous que nous calé c'est fait nous caï jouer au faut nous regarder qui Jean yo fait ça fait nous crier Macron pour nous demander ça là ni téléphone à Macron ça là ni téléphone à ministre mais en même temps aïe pas qu'à fait nous n'ont l'hôpital nous ni effectivement des soignants j'ai mis en tout cas discuter avec un grand nombre au matin là et t'es qu'à expliquer moi difficulté ni et monde qui y a peine mais t'es qu'à expliquer moi situation aussi l'hôpital là j'aude là. Nous qu'a gardé en pas qu'a nous pas qu'a voyer l'opium si pour monde parce que ça pas fait ça pas fait peut-être un mois à l'hôpital en rentrée à 11h en sortie 11h du matin à 11h soir 11h soir et en sortie le lendemain à 8h du matin parce qu'en fond faut signer ouais c'est moi mais en peut dire comme ça que Jimmy des trentaines quarantaines des brancards à dans ces couloirs là des monde qui là à dans ces couloirs là depuis 3 jours Jimmy.
Nous d'accord avec ça. Et, l'en regarder, c'est si mon nous là qui travaille là, infirmier, c'est mon qui travaille, qu'on forcené. Ah, en rester, en pas dormir, qui garder, c'est si mon qui travaille, il travaille. Et pourtant, eh ben, nous n'y situation là, ça. Alors, que nous n'y président à centre hospitalier, nous n'y président à conseil de surveillance là, nous n'y président, hein, qui c'est président du département là. Et, ils sont tous contents, ils croient du conseil que ils ont un bon, bilan. Moun ke di mwen sa yo vle, mais le ou ka rentre là, et ou ka vre situation là ça. Que famille ou ka rentre là, il ni 80 ans, eh ben ou ka di attends, nous ne pas faire, ou pas presser, hein. Oui, faut rester en couloir là. Oui, faut rester en couloir là. J'ai vu des gens qui sont sur un brancard, Bouga dit que des jours il a pas à manger, il a essayé pousser brancard là pour qu'il foucate. Je te jure. Parce que les gens ne se doutent pas, les gens ne comprennent pas. La difficulté la des difficulté choses. Que nous avons. Alors, nous pas véritablement géré au niveau de, médical. Au niveau du transport, Aïzion Maléré sorti à DIE, Vévin Laprinte, en dimanche après-midi. Moun qui dit qu'on s'accueille, ouais, nous quoi avec le transport, tout le monde content. Jimmy, a dans le transport, ni le plus grand détournement qui fait, pour monde pas dit rien. Pourquoi? Parce que, au niveau à le transport, là, il est transféré à la communauté d'agglo, eh ben, ces moun là, ces entrepreneurs à transport là, qui étaient là, yo bay, yo di yo non, nous quoi rester ça, vous tout parlent là, vous autres mettez dans des groupements. Yo mettez yo dans des groupements. Et là, yo mettez ces moun là dans des groupements, yo dit ces chauffeurs à transport là, bon, mais si vous autres gentils, nous qui mettez autres là, et que restez là. Vous avez parti à tel lèze, vous avez venu à tel lèze, vous avez fait un service. Par contre, les communautés d'agglo, en cas parler, le transport interurbain, t'y emmène à la communauté d'agglo, hein, quand il a là, il emmène à la région. Et en pas penser qu'il était même plus bon. Les communautés d'agglo, là, yo voyez une transport là, ça. J'ai mis sous union transport, ou prend ou parti à télé et ou retourner ou dans groupement à la fin à moi là les communautés d'agglo doivent être bao salle et prestation à ça veut dire que c'est 30 000, 40 000, 50 000, yo kaba chauffer à chaque transport 50 000 ou 100 000 euros. Ça veut dire que les moun que yo prend à Sainte-Rose pour mener la prête, ces moun là payer chauffeur transport là ça. Nous d'accord. L'argent là ça, et ben faut y dans l'argent public. Ça veut dire que chauffeur transport là, tu dois te prendre l'argent là, ça. Et à y mettre à la perception pour permettre véritablement, ben, qu'il n'y ait pas augmenté un point, non. Mais il y a du café réveil. Pourquoi? Parce que, faut y avoir, bah, c'est même politique que nous là, ça. C'est l'argent là, ça. Pour y avoir fait politique à y demain, pour qu'il y ait bien élu. Et je ne pas ni pour une plainte qui déposée, pas ni pour un monde qui dit rien. Je ne l'ai pas dit comme ça que c'est pas normal. Faut nous capables à ni des élus. Est-ce que vous êtes invité en là? Mais élu, élu à la communauté d'agglomération, en qui peut même dire d'habiter. À la CNBT. En qui peut même dire d'habiter. D'habiter, par exemple, à la CNBT, aujourd'là. En qu'on est des, les à CNBT, ils ont été commandé des cabines, justement, pour te mettre d'habiter, pour te faire carte téléphonique. Eh ben, comme en une l'occasion d'ailleurs en France et en passé à dans, en congrès des maires, eh ben, ni en société, qui ont payé plus de 400 000 euros, pour te mettre des cabines, pour te soit disant mettre quatre, eh bien, ces cabines sont restées jusqu'à la journée jaune là. Il y a dans la société là et la CNBT a payé la société là. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons et qui a fait que nous ne pouvons pas rester sans dire rien. On ne peut pas parler de la vie chère. Ça, c'est tout le monde qui a estimé que l'œuvre est tout le monde qui est plein. Eh bien, les gens qui comprennent que ça a explosé. Mais jaune là, on ne peut pas comprendre que certains élus qui ont dit comme ça qu'il n'y a rien à faire et que moi je suis fier. En cas, on a dit qu'il est fier, il a baillé des sons, il a habité. Mais on peut comprendre que c'est eux véritablement qui a sali ça qui a passé. C'est eux qui a gangrené véritablement la société là. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient rester là jusqu'à la mort et ils ne veulent pas effectivement pour moun, la place parce qu'ils n'ont pas accroché en gérer son nom. Quelque part, c'est pour ces raisons que Hubert Kiaba et en cas, il y a dans la question là qui a suivi. Ou décider rester vivant en pays Guadeloupe. Tout à fait. Vous ne pouvez pas aller pour d'autre côté. Pour quelle raison? Parce qu'on estime que la Guadeloupe pour ça qu'on a pensé qu'elle doit être vivante. Quand vous voulez, comment, quelle vision? Hein? Et c'est dernière question là, ouais. Hubert Kiaba. Quelle vision hein, pour la Guadeloupe, pour pays à la Guadeloupe? Mais que nous n'y, est-ce que c'est possible aussi? Mais bien sûr. Il suffit que véritablement qu'il y ait un petit coup de courage. Pourquoi pas? Pourquoi penser que les mondes qui sont au pouvoir, les mondes qui l'ont en situation, y'a pas ni suffisamment de courage? Alors, on pas dit que y'a pas ni courage, hein. Y'a ni si good courage, mais y'a pas qu'à y'a bout. Y'a pas qu'à y'a bout. Pourquoi déchets en nous, nous pas gérer déchets en nous? Alors, à quoi comprendre ce qu'on a dit? Alors, raison en moins, c'est poussant, on dit ça tout à l'heure, pourquoi on pas présenter en 2026?
On pas dire pas qu'à présenter moi mais si mais que quand tu as dit ou savez leur son nom on est faiblesse on est bien fort donc ou qu'a senti que ou qu'a prend moins aux élections en cas de quoi qu'elles sont sortes des conglomérats on a eu aux élections dernière fois là en 2022 ou 2000 qui passait aux législatives avec aux législatives là en tout cas effectivement prend l'argent en moins pour que IOP aille en compte de campagne en moins faire élection et ben il est passé un jour avant les élections, moi, il prend l'argent, moi, si content, moi, eh ben, il prend toute l'argent là, il dit, moi, tu as doué. Les impôts. Mais on connaît qui m'en fait ça. C'est mon là, qui ne t'a pas parlé au départ là, qui soit disant tellement été aimé, mon là, eh ben, savent que c'était œuvre à yo. Eh ben, là, il prend 10 jours après les élections passées, 10 jours après que les élections finies, compte de campagne, que faut avouer, eh ben, il ouais, ben, l'argent là, qu'il prend là. Mais qui m'en est, c'est mon là, ça? Eh ben, t'es un percepteur pour le moment. À l'époque, t'es un percepteur. Mais un percepteur, c'est un payeur. Public, en payeur. Il y a la solde véritablement à la commune. OK? Donc, on savent pourquoi ça fait. Donc, si on a la commune qui voyait un percepteur qui a dit, il faut barrer Hubert Kiaba. Est-ce que nous d'accord avec ça ou pas? Non, pas du tout. À part qu'on ça qu'a fait. À part qu'on ça qu'a passé parce que. Dernier mot. On connaît déjà ça qu'a passé. Parce que c'est autant faire des confidences en un moment. Parce que moi, effectivement, quand je parlais avec tout le monde, et on est un petit bit en plus que peut-être qu'il y a pas né en plus de l'homme qu'on est pour lui mais on est un grand maître qui a veillé sur moi et il a mettre moi à des côtés oui franchement Jimmy que mon qui voulait que mon qui veut pas on aux amis à moi et qui voilà donc on savent ça Jimmy mais après à pas ça il a dégoûté moi à pas ça il a fait moi dire qu'on s'est renforcé ça a renforcé moi finalement ça a renforcé moi quelque part mais parce que là son homme quand même ça a permis de vous de remettre en question et de dire qu'on s'est que bah regardez bien de manière à ce que si vous avez encore, mais il faut vous en autre gens. Donc, nous sommes aussi un peuple qu'il faut nous prendre temps pour véritablement l'éducation. Éduquer et permettre véritablement de comprendre l'Okaï. Permettre effectivement de faire la différence entre ça là qui voulait là, vous là et ça là qui fait là. Merci d'être venu ce soir. Hubert Kiaba, c'était la carte blanche de Hubert Kiaba au palais où dit au bain impression à haut. Nous avons senti qu'à travers les 2 heures où un pays à haut, un la Guadeloupe, ou quoi défendre les Guadeloupéens. Ou quoi défendre les démunis, ou quoi défendre les sans voix, ou quoi défendre c'est là qui panie les moyens, ou quoi goumé bayo Hubert Kiaba. Mais qui moun demain si on a un problème qui est goumé bayo? Et nous quoi faire si ça? C'est une belle question, mais on ne parle quand même ne pas revenir sur Jimmy et dire que c'est la première fois au-delà effectivement des réseaux sociaux qui permettent que les nous fassions réunion, que nous parler et que ça permet de vous dire c'est bien là ça. C'est la première fois qu'on participe à une émission comme ça, qui permet de vous véritablement de parler autre que des choses d'actualité, des choses que vous provoquez. Donc, on va remercier énormément, un petit moment là ça, qui fait moi énormément plaisir. On va profiter aussi, moi remercier LCI, mais moi remercier aussi, tous les mondes qui là, qu'à quoi, les mondes qui envoyaient message, les mondes qui voyaient message, les mondes qui sur les réseaux et qu'à quoi y a dans ça nous qu'a fait et en peut dire comme ça que franchement pas parti moins de ces voyous et que combat là que nous amener là qui ouvre et qui ouvre pas mais nous on est qui a pissé c'est ça quoi y'a qu'à dire merci mais nous devons plus loin. Merci d'être venu ce soir dans carte blanche, c'était la carte blanche de Hubert Kiaba. Le prochain rendez-vous ce sera demain entre 20h et 22h, on sera avec le président du comité cyclisme de la Guadeloupe en la personne de Frédéric Théobald. Ce soir, 20h, carte blanche avec Jimmy Pierrot, l'émission où tout peut exploser.